something off, forget that piece. You take the west side, take out the east. I'ma put them in a cage, never let out the stop. I hear them chat to the noise, move too quick, can't stop for the talking. I hear them chat with the boys, man so tough, but man's keep rocking. Just too sharp with the prize, white girls better tell me I'm awesome, yeah. Hot like fire on the pine, if you wanna touch man, please use caution. Bonsoir tout le monde. Désolé, j'ai oublié de remettre mon micro. Voilà, il y a des erreurs. Ça commence mal. Bon, du coup, on recommence. C'est la pire intro du monde. On a foiré. Bon bah salut, c'était bien. Merci d'être passé. Hein. Non. Donc bonsoir à tous pour la deuxième fois. J'espère que vous allez bien. Ce soir, on se retrouve sur cette web TV pour l'émission Slash Info. Je ne suis pas tout seul. Je suis accompagné de plusieurs animateurs et le roi du mute. Donc, on va commencer un petit peu dans l'ordre. Bonsoir à toi, le boulet. Bonsoir. Comment ça va tout soir? Allez, c'est parti. Ça va nickel et toi? Alors, ça va, écoute, ça va très très bien. Très hâte de commencer cette belle émission. J'ai hâte
par contre, je flippe. Je flippe à mort, vraiment. Je suis bonsoir, Matou. Bonsoir à toi, Kiro. Salut, comment allez-vous tous sur le chat? Et salut à toi. Putain, puis, du coup, eh ben ça va nickel. Tu vois, là, je bug encore un petit peu. Salut le chat, bonjour. Comment allez-vous? Je vous prierai une vraie organisation, ouais. Il y a pas, c'est pas grave, naturel, c'est bien comme ça, on s'en fout. C'est fait maison. Soyez indulgent. Soyez indulgent, il a travaillé toute la journée pendant 2 jours. Il a tryhard comme un malade. Il était tout seul à l'organisation, je vous promets. Ouais. Il a assuré comme un chef. Merci, merci. On peut lui pardonner ça. Alors, maintenant, au tour de Juju, à toi. C'est les Kryzen, comment ça ouais, va? Ouais, ouais, on est là, c'est la zone. Bien quoi? T'as besoin de quoi encore? Allez, ça part. Alors, pour le coup, vous ne verrez pas sa cam, malheureusement, parce qu'il n'en a pas. Donc voilà. Mais vous verrez son petit son de voix. C'est déjà pas mal. Et la petite belle voix aussi. Merci pour les follow d'avance. Maintenant, il nous reste une dernière personne. Chozer. À toi, Chozer. Comment ça va, Chozer? Bah écoute, très très bien et bonsoir. Est-ce que tu peux mettre ton téléphone en mode horizontal? Ici le PG. Non, j'en ai tous PG. C'est des difficultés. Je me rends compte que du coup, vous ne pouvez pas l'entendre. Je suis vraiment, mais alors vraiment désolé, c'est une horreur. Il y a tout qui va pas. Je vais juste, on va juste faire l'intro tranquillement. Vas-y, là normalement tu peux parler, ça devrait marcher. Bon, alors, par contre, au niveau de la caméra, est-ce que tu peux te mettre en horizontal ton téléphone, s'il te plaît? Allô? Faut faire la rotation de ton téléphone. Les problèmes du direct, voilà, c'est ça, c'est exactement ça. C'est les aléas du direct. Je suis désolé. Oh putain, on est déjà 17. Je suis désolé. Bon, du coup, je te mets pas ta cam. Ou alors, faut que tu la retournes. Ah, si, attends, est-ce que je peux pas la retourner? Non, je peux pas la retourner. Du coup, ou alors, si, bouge pas, je m'en occupe. Je suis vraiment désolé, les gens. Il y a plein de paramètres qu'on essaie de faire avant, mais. Voilà, c'est bon, j'ai réussi. Normalement, vous allez bientôt le voir apparaître dans quelques instants. Voilà. Techniquement, vous le voyez maintenant. Parfait. C'est parfait. Merci beaucoup pour les follow. Parfait. Merci beaucoup. Vous êtes nombreux ce soir. On savait que. D'accord, merci. On savait qu'il y aurait quelques petits problèmes. Hein, donc, faut être indulgent. On va essayer de faire au mieux. Je regarde juste une dernière chose et après, on va pouvoir lancer correctement. Il y a beaucoup trop de choses. Non, c'est bon. Bon. Alors, j'espère que vous allez bien. Il y a un écho. Est-ce qu'il y est toujours l'écho? Est-ce que l'écho y est toujours? Qu'on puisse le régler si besoin. Ah oui, non, mais c'est encore ton micro. C'est pas possible. Je te jure que si. J'ai réglé pour normalement. Bah ouais, mais je te jure que si. Ou alors mets le plus proche de toi et baisse le son. Toi, c'est la cam. Ok, donc normalement c'est bon. Non, il y est plus. Ok, merci bien. Ah bah si. Hein. Sinon je te passe. Tu peux pas mettre ton micro de casque? Non. C'est bon là. Normalement, il y est plus. Bon, on va essayer de faire avec. Sinon on réglera les problèmes une prochaine fois. Voilà. Donc ce soir, on va parler de plusieurs choses. On a fait une petite liste d'actualités, de choses assez sympathiques. Donc ce soir, on va commencer par les sorties. Donc on va parler de Resident Evil Village. Donc vous avez pu le tester pour certains. On va aussi parler. On va aussi parler de comment ça s'appelle, de Netflix et Riot Games qui s'associent pour la série Arcane. En e-sport, on va avoir la Carmine Corp. Qui remporte les EU Masters sur LOL. Ah, pardon, je bégaye. Justice, on va avoir un Battle Royale entre Epic Games et Apple. On va avoir le réalisateur de The Witcher 3 qui est accusé de harcèlement moral. Technologie, on a le sabre laser de Disney qui est prévu pour 2022. Et enfin, pour les réseaux, Discord en partenariat avec Sony. J'espère que vous allez bien.
Nous, ça va. On a un peu de mal. C'est le lancement de l'émission. Mais ça va le faire. On va essayer de gérer comme on peut. On va gérer ça comme des chefs, t'inquiète pas. Donc, je vais faire un premier tour de table. On va commencer par toi, Kiro. Dis-moi tout. Quelle est cette question qui te taraude ? S'il te plaît. Alors moi, prénom, nom ou nom, pseudo ? Bah, pseudo, prénom, comme tu veux. Alors, pseudo, Kiro, hein, voilà, comme il l'a dit plusieurs fois. Prénom, Massimo, prénom italien, ouais, c'est vrai que c'est pas commun, bon, voilà, quoi. Et je suis youtubeur, streamer, donc petit, hein, vous inquiétez pas. Youtubeur, donc je fais des vidéos, alors, à la fois gaming, sur une chaîne secondaire, et sur ma principale, je fais plus des vidéos de débat ou alors des story time qui se fait souvent en ce moment. Et sur Twitch, bah, c'est plus un peu chill, donc Resident Evil que je viens de jouer et que c'est une horreur ce jeu, tout simplement. Je joue aussi à LoL, aux échecs, je passe par plein de jeux, plein de petits jeux et ça me fait plaisir. Donc voilà, ambiance chill, au naturel, donc voilà, tout simplement. Parfait. Et donc du coup, de toute façon, on reviendra un peu tout à l'heure sur toi pour faire un peu de promotion aussi. Maintenant, on va passer à toi, le Boubou. Ok, bah bon, rebonsoir à tous. Donc c'est le boulet liégeois, dit Boubou. Vous pouvez m'appeler Boubou, c'est plus simple. Alors moi aussi, je suis un tout petit youtubeur streamer. Donc sur ma chaîne YouTube, vous pouvez retrouver toutes les actus de Rogue Company, certains leaks. Je fais aussi quelques petits tutos pour vous aider à stream et à commencer à stream. Et je fais souvent aussi quelques petits montages sur les résumés des lives qu'on fait sur Twitch. Et sur Twitch, je fais principalement pour l'instant du GTA RP et du Rogue Company. Voilà. Et également, la dernière fois, on avait fait ensemble. Il faudra refaire ça. C'était assez sympa, on avait fait 8 minutes de fou rire. Voilà, vous pouvez voir enfin ce premier overlay sur lequel on a un peu beaucoup bossé aussi avec un petit peu d'animation. Et donc là, du coup, on est. Sur la page YouTube. Donc pour l'instant, on vous présente. Hein. Donc c'est normal, ça viendra un peu plus facilement les prochaines fois. Surtout que du coup, je suis tout seul en régie. C'est un bordel pas possible. Mais on va s'en sortir très très bien. Ok, donc maintenant, autour de Chauzer. Chauzer, qui est-ce que tu es ? Qui tu es, pardon, et présente-toi. Chauzer. Attends, apparemment, il y a quelqu'un qu'on n'entend pas beaucoup. Bah, ça, c'est moi, mais Chauzer, j'en entends plus du tout, moi. Moi non plus. Chauzer. Moi, j'entends, moi. Ah, bah là, je t'entends. Moi, j'entends pas Chauzer. Moi, j'entends, moi. Bah, parle. Ouais. Je suis bon. On m'entend ? On a perdu le chroniqueur. On m'entend ou pas ? Je crois qu'on t'a pas entendu sur le live du coup. Moi, je l'ai entendu, donc je sais pas si sur le live. Non, moi, j'ai rien entendu. Mais vous m'entendez pas ? Bon, on va essayer de. Moi, je t'entends, mais je sais pas, c'est sur le. Ah, ça y est. Parle pour. Ça y est, on m'entend ? 1, 2, 1, 2. Est-ce que le live m'entend ? Bon, je suis désolé, on a quelques petits soucis. Je retourne sur toi, Kiro, du coup. Ouais, je regardais l'entrée du live. Parfait. Non, y a pas de soucis. C'est bon là, maintenant on m'entend. Ok. Ça, c'est. Bon, allez, ça, c'est des ultras dans le chat. Comme du coup, on fait une. Ouais, c'est bon, t'entends. Ouais. Il y a des ultras dans le chat, je vois ça. Regardez, oh, les ultras. Balancez les ultras, allez-y. Donnez tout. Ça fait plaisir de vous voir tous ici, en tout cas. Bon, on va commencer parce que sinon on va jamais y arriver. Mais du coup, je sais pas si Chauzer. Ouais, c'est bon, Chauzer, on t'entend. Il n'y a qu'une émotion, ouais. C'est tout. Chauzer. Oui. On l'entend plus. On l'entend plus, il est reparti. C'est moi, j'entends. Il a coupé son micro. Bah, je suis là, hein. Je suis là. Bon, du coup, on va essayer de. Je suis là, hein. Un petit peu sur ça, du coup, parce que. Ouais, non, mais j'entends, moi. Hein. Ça y est, il est là ou pas ? Attends, mais vous m'entendez, moi ? Bah, toi, moi, je l'entends pas, du coup.
1-2-1-2. C'est qui que vous entendez pas, Chaser? Chaser. Moi j'entends, moi. 1-2-1-2-1-2. Allo, allo, allo. Qui refait mon dégosse? Oh, bordel. Allo, allo. Bon, allez, je veux bien. Allez, sur un malentendu. Allez, ça part. Hein. Sur un petit malentendu, on peut établir un petit rendez-vous. Il est vrai, il est vrai. Bah, du coup, tu sais quoi, hey, Kiro, c'est toi qui ouais. va nous présenter Resident Evil, du coup, parce que... Ah, d'accord, putain. Ah bah oui, bah, bah voilà, c'est toi. Allez, alors, tu t'y mets. Resident Evil Village. Voilà. Donc, c'est le chapitre 8, si je ne m'abuse. Donc, c'est une suite chronologique avec donc le 7, donc qui était les personnages principaux, c'est Ethan et... Putain, je me rappelle plus du nom de la femme. Je me rappelle plus trop. En gros, Resident Evil 7, c'est on était dans la famille des Baker. Ça c'est parlait un peu. Dimitrescu, je crois. Ah ouais. C'est ça, hein, non bon, c'est la vampire, ça. Ah, c'est la vampire. Ouais, c'est la vampire. D'accord. Donc Resident Evil 7, ça se passe dans une famille Baker, tout ça. Et du coup, le 8, on arrive à sauver notre femme, donc précédemment dans le 7, et le 8, en gros, notre cher ami Chris Redfield. Le jeu commence et il vient chez nous, il débarque chez nous et nous enlève notre enfant et on va devoir complètement aller chercher pourquoi d'ailleurs il a enlevé notre enfant. Donc on va atterrir dans un château, on va mener notre enquête. Le jeu fait extrêmement peur et personnellement j'ai joué que 3-4 heures, donc j'ai fait un stream hier et le jeu est tout bonnement magnifique niveau esthétique. Niveau histoire, à ce qui paraît, j'en ai entendu parler par des proches, il est complètement incroyable, mieux que le 7 et mieux que les opus précédents. Et du coup, pour ma part, c'est un très bon jeu, je ne l'ai pas encore fini et j'ai hâte de découvrir la fin, tout simplement. Parfait. En tout cas, moi, j'ai pas encore regardé beaucoup le live, enfin le jeu, mais je sais qu'il m'intéresse quand même pas mal. Après, ouais. Ouais, il est lourd, hein. Faut être bien accroché. Toi, le Boubou, tu y as joué ou pas encore? Non, mais je me suis renseigné un petit peu. J'ai entendu dire qu'il était beaucoup plus court que ce qui avait été prédit. Donc apparemment, ouais. Il devrait durer 20 heures, mais apparemment, on pourrait le finir facilement 8 heures. D'accord. Mais... Okay. Je pensais plus long. C'est ce que j'ai lu. D'accord. Il paraît aussi qu'il y a eu un petit plagiat avec un film, apparemment. Peut-être, sûrement. Ouais. J'ai oublié de t'envoyer l'image. Après, c'est vrai que c'est inspiré de jeux d'horreur, de jeux comme ça. Bah, apparemment, c'est donc, dans un film. Attends, le film, c'était Frankenstein Army, mm-hmm. par Richard Rapshortz, si je le dis bien. Et apparemment, il y aura un boss qui ressemble très fort au monstre qui apparaît dans le film. Mais Capcom n'a pas encore réagi. Enfin, je ne sais pas où ça va aller. Enfin, c'est des petites anecdotes. Effectivement, il a l'air. J'ai vu la démo, et il a l'air vraiment pas mal. Donc là, on peut voir. Du coup, j'ai mis. Je sais pas si vous le voyez, vous. Du coup, j'ai mis un peu. Voilà la dame, Lady. Je sais plus comment t'as dit là. Donc c'est Lady. Ouais. Alors je l'ai juste là. C'est Lady Dimitrescu. Voilà. Donc c'est elle. Donc voilà. Donc ça c'est ce qu'on a pu voir un petit peu ces derniers jours. Hein, donc voilà. Donc. C'est un jeu d'horreur, comme vous le savez déjà. Resident Evil est quand même connu pour sa qualité. Hein. C'est un jeu qui a quoi qui a plus c'est, de c'est 25, temps, quand ans, même. 25 ans d'existence. 25 ans, voilà. C'est ça, 25 ans d'existence. Avec Capcom qui, chaque année, enfin chaque année, chaque Resident Evil nous surprend toujours un peu plus. Ouais, surtout que je crois qu'ils ont, pour deux petites infos, ils ont gardé le motion de Resident Evil 7 et ils ont gardé des choses. Ouais, le même moteur, pardon, ouais. Voilà. Et ils ont gardé tout ce que les joueurs préféraient ou aimaient dans Resident Evil 4, je crois. Parce que je crois que c'est le 4 et le 7 qui ont fait. Qui ont fait fureur, qui ont tout défoncé. Donc, ils ont fait un mix des deux et ils ont sorti un jeu. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il est aussi bien. Il y en a aussi qui disent qu'ils sont déçus. Parce qu'apparemment, l'aspect survival et de stress n'apparaît que dans les deux premières heures du jeu. Et après, vu qu'on est assez bien stuff, on a plus trop la sensation de stress et ça devient plus un jeu d'action que survival.
C'est vrai, ouais, après, c'est vrai que le... c'est la notion d'horreur disparaît un peu, ouais, c'est vrai. C'est vrai, apparemment, ce serait assez easy de faire cette balle. L'inventaire est beaucoup plus facile qu'avant aussi. Mm-hmm. Non, c'est vrai voilà, qu'au fur et à mesure... Il y en a qui explainaient de ça. D'accord. Est-ce qu'on m'entend ? Bon, bah, en tout cas, moi, je sais que c'est un jeu que... bah, vers la fin, t'as un sniper. Voilà, donc il y en a qui disent, hein, justement... À la fin, t'es bien équipé. À la fin, c'est ça, ouais. T'as plus aucune peur. Est-ce qu'on m'entend ? T'es plutôt confiant c'est à la fin. C'est ça qui est un peu dommage. Tu peux cheater, ça, du coup. C'est vrai, parce que du coup, dans là, Resident Evil 7... tu perds le côté 7, survival, c'est ouais, dommage. Dans Resident Evil 7, c'était une horreur. Hein, que du début à la fin, tu avais... Tu te chiais dessus du début à la fin. C'était vraiment une horreur. Donc, c'était compliqué pour survivre. Et aussi, une petite dernière chose, il y en a qui se plaignaient qu'il n'y avait pas le mode VR, contrairement au site. Et apparemment, ça aurait été intéressant d'avoir le VR, justement, quand tu es dans l'espèce de château. Parce qu'apparemment, ce serait vraiment très, très beau à l'intérieur. D'accord. Après aussi, j'ai entendu dire, moi, il n'y a pas le côté aussi énigmatique que les autres. Genre, en mode, tu cherches beaucoup moins, c'est plus du rush, un peu. Je peux pas te dire moi personnellement d'après ce que j'ai joué, c'est vrai que je me pose certaines questions, mais c'est vrai pas autant que dans l'opus précédent, c'est vrai. Non, t'as raison sur ce coup-là, ouais. Parce que le 7 était quand même. Ouais, le 7, t'atterrissais, tu jouais des anciennes cassettes vidéo pour revivre des souvenirs, tout ça, et tu te posais beaucoup plus de questions que cet opus-là. Donc c'est vrai que c'est ouais. Sur ce coup, ouais, t'as raison. Et ouais, les boss sont pas easy non plus. J'en ai pas fait un encore, mais c'est vrai que j'ai vraiment pas hâte de les rencontrer. J'ai juste eu les sœurs, moi, donc j'en suis à pas très loin dans l'aventure. Et toi, tu as pas encore joué Cryzen? Non, moi je suis pas. C'est rare que je joue à des jeux côté comme ça. Donc dans le chat, on me dit que les boss sont pas easy non plus. Ok. Alors, je suis désolé, en même temps, j'essaye de régler des petits problèmes. Oui, moi, j'entends. Je vérifie, 2 secondes. Hop. Ça, j'avoue que... Je comprends pas toi. T'es le seul qui bug en fait. Je ne sais pas pourquoi. Bon, on va essayer de. Merci à toi pour les follow. Merci à vous de faire avec. Pour les follow. Vous. Ouais, bah on va faire avec. Bon. Du coup, donc là, on va passer au prochain sujet. Putain, merci beaucoup pour les follow. Vous êtes de plus en plus. On est vraiment désolé. Franchement, je sais, je vais le répéter toute la soirée, je pense. Je vais beaucoup m'excuser parce que y a des trucs qui bug et on va essayer de bosser dessus au fur et à mesure de l'émission, des prochains épisodes, afin d'améliorer, parce que c'est le but quand même. Mais voilà quoi. Je vais mettre ma cam de mon portable, je pense, être de... J'aimerais pas... Merci, Monet Gross. Merci. Merci. Ok. Du coup, je m'entends en écho, encore une fois. On va pouvoir passer sur le prochain... le prochain sujet. Tranquille, c'est la première édition. Ouais, je sais bien, mais c'est... C'est un peu... C'est dur quand même, hein. C'est pas simple. C'est pas évident, non, aussi. C'est pas évident. Hein. C'est moi ou il y a quelqu'un qui a rejoint Non, c'est moi. C'est, Non. J'ai pas l'impression. Non, c'est moi. Ok, je sais pas, j'ai deux trucs, c'est bizarre. À boire. Bah, ça tombe bien, j'ai à boire. Du coup, faut que je mette... Avec les bruits et tout, c'est magnifique. J'avais oublié les défis, c'était pas le bon délire de laisser ça. Et Kiro sur le téléphone, bien. Pardon, merde. Pardon. Non, tranquille, c'était pour voir le chat. C'était pour voir le chat, évidemment. Pour voir le chat. Il y en a, ils ont de la chance de pas avoir de cam, moi je te le dis. Oh, yo. Mais bon, alors, on va pouvoir de parler de. Oui. Oui, on m'entend. En fait, c'était moi qui avais rejoint sur qui parle. C'est moi, c'est Chowser. Excuse-moi, j'ai pas écouté. J'étais focus sur un truc. C'est moi en fait. Oh là, je comprends rien.
Tu m'as fait un bordel pas possible, du coup, je sais plus t'es qui, t'es où. Bah, j'ai. Je qui es-tu même pas présente-toi. Est-ce qu'il y en a un qui peut vérifier si on l'entend sur le live, du coup? Vas-y. Parce on que demande à je sais pas ce qu'il a fait, en fait. Il y en a qui s'est mute. C'est tout ce que je sais. Ouais, ça c'est normal. Ça c'est Julien. C'est Juju. Ouais, c'est bon, on l'entend. Bon, en attendant, je prépare un peu. On l'entend, on l'entend. On m'entend, ah, enfin. On va y arriver. Oui, on l'entend. Ok, parfait. Du coup, donc, on va parler de. Pourquoi tu m'as envoyé une photo? C'est une photo de quoi? Tu m'as envoyé le boubou. Bah, c'était par rapport à Rizotelville, le plagiat. Ah oui, d'accord, ok. C'était pour montrer justement les ressemblances. Mais jusqu'au bout. D'accord. C'est bien. Ça. Ah, mais c'est un peu en retard. Bon, du coup, moi, je propose qu'on parle d'un tout autre sujet. Qui pourrait vous intéresser. Donc c'est Ekiro, toujours sur le téléphone, bravo. Non, même pas, je suis amusé à la table en attendant. Je suis obligé de bouger, je suis déactivé. Bravo, hein, Ekiro, bravo. Bon, là, toute la soirée, il va prendre cher. Y'a pas de problème. Donc du coup, je ne sais pas si vous avez entendu parler de la nouvelle série qui devrait bientôt sortir, qui s'appelle Arcane. Eh bah pas du tout. Voilà. On en a pour. Eh bah bon, Arcane. Arcane. C'est une série télévisée ou... Alors, Arcane, c'est une série sur le jeu League of Legends. Donc c'est basé dessus, c'est basé sur le jeu. Donc c'est Netflix et Riot Games qui... Ah ouais, ça m'intéresse fortement. J'adore LOL en plus. Donc, Sérieusement? Bah, ah oui, j'adore LOL, c'est ma bah, vie, voilà. LOL. Et, c'est le meilleur jeu, c'est ouais. Un animé, basé, bah, voilà, c'est un animé basé sur League of Legends. D'accord. Donc je vais mettre un peu le trailer juste après. Et donc du coup, ils ont décidé de faire ça. Alors je ne sais plus si ils avaient donné une date de quand est-ce que ça viendra. Oui, j'ai les dates. Côté histoire, Arcane... Ouais. Côté histoire, Arcane nous fera vivre, nous fera découvrir les origines de deux personnages phares de LoL, donc Jinx et Vi, et de ce qui les oppose à travers les rues et les idylliques, l'idyllique ville de Piltover, pardon, j'ai vraiment du mal, hein, jusqu'au bas fond de Zaun. Bien que nous lance. Ah, franchement, et d'habitude, j'ai pas autant de problèmes d'élocution, mais là, c'est une horreur. Hein. C'est le stress, c'est normal. Ouais, c'est ça, ça va, c'est. Calme-toi, calme-toi, respire. Tout va bien se passer, on est entre famille là. C'est la famille qui regarde. C'est ça. bien que nous n'en sachions pas beaucoup plus à son sujet pour le moment, nous pouvons vous confirmer que cette première série fait partie d'un projet encore plus grand baptisé League of Legends Cinematic Universe. Ça ne copie pas du tout sur Marvel. On ne dira rien. Rien du tout, du tout. LLCU. Mais incroyable cette info. Moi, je ne savais pas du tout. Alors moi, je suis fan d'animé de base. J'ai regardé plein de choses en animé. Et j'adore LOL. Et là, ça a un mix des deux. Donc franchement, je suis aux anges. Combo gagnant. Et en fait, ouais. C'est la série. Franchement, ouais. Je suis aux anges d'apprendre ça. Donc on voir a si vous paniquez là. Shona Spenley, directrice de la division Entertainment chez Riot Games, qui nous dit « Arcane a été créé comme une lettre d'amour à nos joueurs et nos fans, qui nous réclament toujours plus d'expériences cinématographiques pour les mener au plus profond de notre univers et de nos champions de League of Legends. Netflix, grâce à son incroyable marque internationale et son goût pour les produits de qualité, est le partenaire idéal pour nous aider à apporter Arcane à nos joueurs et ce, dans le monde entier. » Exactement, quelle belle c'est phrase. C'est beau, j'ai même pas envie d'en rajouter. C'est incroyable, ça m'a en donné fait, des larmes aux yeux. Voilà. En fait, j'ai une théorie à ça. Oui. Ouais, j'ai une théorie à ça parce que c'est vrai que, mais j'ai pas que Riot, il voulait créer ce jeu, cette série, pardon. Qu'est-ce qui se passe? Parce que comment c'est. C'est vrai que moi, je l'entends pas. Je ne t'entends pas non plus. Il crée beaucoup de jeux. Enfin, de jeux où il y a beaucoup d'animations, mais vraiment magnifiques, quoi. Il travaille de fond en comble. C'est vrai. Avec des animations, mais waouh! C'est quoi ce bruit? Je ne sais pas.
D'accord. On a eu un bruit assez bruit. Je ne sais pas d'où ça vient. Ok, donc voilà. Donc ça, c'était pour Arcane. Vous entendez tout le monde sur le stream? Ok, oui, c'est Kiro qui parle, pardon. Bah, on m'entend. Ah, c'est... Putain. Il dénonce pas en plus, le salaud. Hein. C'est qui se défonce? C'est ce qui... Kiro qui défonce son clavier. Ouais, bah, les joueurs... D'accord, ok. C'est drôle ça quand même. Hein. Bizarrement, ils ont pas de mal. Hein. C'est vrai, je devrais appliquer un filtre. Je suis désolé pour le chat. T'inquiète, t'inquiète. On fera avec. Aïe, aïe, aïe. Eh bah écoute, on va pouvoir passer. Est-ce que, bah du coup, toi qui regardes, toi qui aimes bien League of Legends, est-ce que tu regardes l'e-sport? L'histoire, alors là, franchement, non, pas du tout. L'e-sport. Ah, l'e-sport, l'e-sport. Bah, bien sûr. Karmine Corp, bien sûr. Et bah, voilà. Champion d'Europe. Parfait. Est-ce que tu peux... Voilà, exactement. Alors, je vais être honnête, je n'ai pas tout vu. Bah, d'ailleurs, il y a un viewer dans le chat, justement, qui adore League of Legends. Donc, c'est Manager YZ, Def. C'est un ami dans la vraie vie. Et il m'a justement dit de regarder un peu ce qu'il faisait donc Kameto. Donc, c'est la Karmine Corp est une équipe créée par Kameto et Prime. Donc, Prime, c'est un rappeur, je ne sais pas si vous connaissez. Prime, YouTuber qui est sur YouTube. Ouais. Et ils ont mis un peu ça paraît ouais. Logique hein. En effet un youtubeur c'est très souvent sur YouTube je crois. Ouais généralement oui c'est un peu ça. Et du coup ouais c'est une équipe créée par leurs soins et ils ont été champions de France et champions d'Europe en à peine 4-5 mois quoi. C'est révolutionnaire tout ce qu'ils ont fait ça. C'est incroyable et ils ont donc je suis fan 3-1. Tout simplement. Donc du coup, comme on peut le voir, la Karmine Corp qui remporte les EU Masters de League of Legends. Donc c'est une équipe française hein. Et ils ont battu l'équipe anglaise, la BTXL, en finale. Donc ils ont gagné 3-1. Le youtubeur qui est sur YouTube, il n'y a que notre Kiro national pour dire ce genre de choses. Non mais moi je suis aussi l'actualité espoir. Et donc du coup voilà. Donc après bah, je pense que tu as bien résumé le truc. Hein. Est-ce que quelqu'un d'autre voulait toucher un mot? Je crois pas que bah toi Julien c'est sûr tu joues pas. Non, League of Legends, Kameto tout ça, je suis pas du tout dessus. Moi non plus. Qu'est-ce que non, c'est et puis, qu'une équipe française a quand même remporté les championnats. Bah, coucou. Non mais j'ai envie de te dire mais bon moi je suis pas du tout dans la scène de League of Legends, j'ai jamais joué à ce jeu, c'est pas un jeu qui m'intéresse donc moi je m'en fous un petit peu. Attention à ce que tu vas dire. Attention à ce que tu vas dire mon gars. Ça fait combien de temps que ça existe maintenant, LOL? LOL, oh, je dirais... C'est l'un des plus vieux jeux, pratiquement. Bah ouais, ça. Je sais pas, 12 ans, peut-être plus même. Plus, ça, je pense. Je vais vous dire ça. Octobre 2009. Voilà. Octobre 2019. 12 ans. 2009, oh, plus. Le one shot. C'est beau, ça. Coco? Bon. Mais après, j'ai entendu des échos comme quoi, donc l'équipe qui représente donc la Karmine Corp. Je sais pas s'il y a peut-être des joueurs de League of Legends, je vais quand même peut-être le dire. Donc le top laner c'était Adam, le mid laner c'était Saken, le jungle c'était Syncroft, bot lane on a Targamas au niveau du support et ADC on a Xmati. Et on a eu des échos comme quoi comment il s'appelle, pardon, Adam, donc le top laner allait partir chez Fnatic pour un contrat assez élevé que je comprends très 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 bien avec un salaire je crois ou un prix je sais plus de $500,000 et en étant engagé à Fnatic. Donc Fnatic qui est une très grosse équipe et qui aurait une place donc au LEC, donc LEC c'est les championnats donc américains je crois mais je suis plus trop sûr de ça. Et du coup, c'est une place beaucoup plus imposante que le champion d'Europe et le champion de France, qui normalement, la Karmine Corp aurait mis un peu plus de temps à avoir un slot, donc en gros, à avoir une place dans cette compétition. Et pour avoir un slot justement dans ce tournoi, c'est, il faut payer, mais il faut payer un certain prix qui est, je crois, qui s'élève à 3 millions d'euros. Donc ouais. C'est énorme, c'est énorme. Normalement c'est même voire même plus je dirais mais je veux pas dire de conneries mais c'est aux alentours de 3 millions d'euros et c'est pour les EU Masters ça
Ah bah non, c'est même plus, c'est entre 10 et 20 millions d'euros. Voilà. Pour les EU Masters. Voilà, c'est ça. Donc, c'est abusé. Et donc, c'est ultra cher, en vrai. Ah ouais, c'est... Mais même moi qui suis un peu du milieu, tout ça, qui s'intéresse beaucoup à ça, pour moi, c'est même beaucoup ouais, trop. Ouais, c'est ça. Le prix d'un slot sera de 8 millions d'euros pour les équipes déjà présentes dans la Ligue et de 10,5 millions d'euros pour les nouvelles équipes. Ouais, pour la ULC, ouais. Mais c'est énorme. C'est beaucoup trop, ouais. Et je sais même pas si dans les autres équipes, enfin dans les autres jeux, pardon, les slots comme ça, est-ce que ça vaut autant que LoL, je sais pas du tout. Mais c'est vrai que LoL, c'est l'un des jeux qui ouais, fait le plus gros jeu, mais de là à mettre 10 millions. Ouais, c'est sûr. C'est ouais, je sais pas, c'est vachement. Faut avoir confiance. Et ils ont eu la félicitation. Et ils gagnent combien, les gagnants? Alors, justement, le salaire... Alors, toujours selon le site américain, le salaire minimum des joueurs sera revu à la hausse en passant de 29 000 à 74 000 dollars. Ouais, c'est que d'un, en fonction de ce que tu mets, quoi. Ouais, c'est vrai que... Ouais, mais c'est par mois, hein. C'est le salaire. Ouais, ouais. Et puis après, il y a les sponsors, il y a tous ces trucs qui viennent... Après, j'ai envie de dire, quand tu regardes le foot, les chiffres, ils sont beaucoup plus gros. Ouais, c'est sûr. Donc j'ai envie de dire ouais c'est pas improbable non plus quoi, mais c'est vrai que c'est vachement cher pour de l'e-sport. Apparemment manager dit que c'est pas pour la les EU Masters, EU Master pour... gratos non, LEC c'est oui LCES ouais. EU là c'est encore autre chose ouais LEC ouais merci d'ailleurs. À savoir que les slots les équipes peuvent le reprendre donc ils ne perdent pas d'argent. D'accord, comment ça ils peuvent revendre un slot? C'est, du coup, c'est de l'achat-revente, limite. C'est en fait, c'est comme le mercato du football. En fait, c'est une place fixe, mais qu'on peut vendre, c'est ça? Ou c'est... Bah, en fait, c'est comme, par exemple, l'année dernière, sur Fortnite, il y a eu la Lyon eSport. Non, il y a 2 ans. Et genre, il y en a plein, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils achetaient des places, justement. Et pour Lyon, bah, ils les revendaient. Et en fait, c'est ça, en gros. C'est clairement, les gens, ils achètent pour après revendre. Soit ils font du bénéfice dessus, soit après, bah, c'est juste parce qu'ils peuvent pas, du coup, ils revendent. Et puis voilà, quoi. D'accord. Enfin, c'est tout comme ça. Et c'est ça dans tout l'e-sport, genre, dans toutes les compétitions. Ouais. Ok, bon. Et eh ben, je pense qu'on a fait le tour pour cela. On va pouvoir parler d'un sujet qui intéresse un petit peu plus notre cher Kryzen. Ah, je lis juste le dernier commentaire et après on passe au prochain sujet. Donc, bah, imaginons qu'il achète un slot et que dans 10 ans ils ferment la structure, ils peuvent revendre leur place potentiellement plus cher à une autre équipe qui peut intégrer la LEC. La LEC, d'accord. Donc, c'est ce que je disais, du coup, en gros, ils achètent une place, mais c'est fixe, quoi. Donc, ouais, voilà, c'est ça. C'est pas juste pour un tournoi sur une journée, tu vois. C'est pas pareil. Bah après, ça dépend de quelle compétition. Là, apparemment, non. Mais par exemple, la Lyon eSport, oui, c'était que pour la journée. Oui, voilà, ça, c'est normal. C'est parce que c'est du coup, c'est une LAN, donc c'est vrai que c'est pas pareil. Ah, voilà. Oui, parce que c'est vrai que sur le coup, en fait, c'est surtout ça aussi qui nous a choqué, je pense. C'est quand même que nous, on a l'habitude des slots où c'est pour une journée, ou voire un week-end, ou au pire, un mois. Mais c'est vrai que ça paraît excessif, 10 millions. Mais comme il dit là, si c'est pour 10 ans, enfin, si t'es à la place pendant 10 ans, c'est pas pareil, quoi. Surtout que derrière, ça te rapporte des gros revenus, hein, parce que pour te lâcher des salaires à 70 balles, c'est que derrière, tu gagnes des quand même. Après, voilà, encore une fois, faut être certain de ton équipe, quoi, parce que sinon, tu dépenses, tu gagnes rien. C'est sûr. Donc voilà, on va pouvoir passer au prochain sujet. Donc, je pense qu'on a déjà tous entendu parler de cette guerre qui a eu... entre Fortnite et Apple. Est-ce que vous en avez entendu parler? Eh ben non. Un petit peu. Oui. Sérieusement? Ouais, non, vraiment. Non, pas du tout. Pas du tout. Et on l'entend toujours pas. Un petit peu ou pas du tout? J'en ai entendu parler. Un petit peu, ouais. Bah, sache qu'il n'y a pas que Apple qui a eu ce problème. Google Play aussi. Et ça, par contre, on n'a pas entendu parler, mais ça a été mis de côté. Après, mais ils ont plus de sous. Alors, donc je vais vous dire, donc Battle Royale ouverte entre Epic Games, l'éditeur de Fortnite, et Apple. Le procès intenté par Epic Games à Apple s'est ouvert ce lundi, donc lundi dernier du coup, devant un tribunal californien. Pour refaire un petit peu ce qui s'est passé avec justement tout ça.
on a Epic Games qui a revendiqué le fait que Apple prenait 30% de marge sur la monnaie du jeu. Donc, rappelle-moi le nom. Fortnite. Les V-Bucks. Les V-Bucks. Donc les. Je vous prie de m'excuser. Les V-Bucks, bah, des V-Bucks donc, et des achats de packs. Voilà, Shining Up, mais surtout les V-Bucks. Et donc Apple prend une grosse marge sur son store. Alors de base, on pourrait dire que c'est tout à fait normal, mais c'est quand même un peu embêtant pour l'éditeur. Les salauds. Alors en fait, ce qui a pas plu à Epic Games, c'est que Apple ont un gros monopole du coup. Et qu'ils en profitent, parce que comme du coup Epic Games a proposé à leurs joueurs de payer 30% moins cher les V-Bucks et tout ce qui s'achète sur l'application, Apple n'a pas beaucoup apprécié, et ce qui fait que Apple a littéralement bloqué l'accès au jeu, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est voilà. Tout ça. Donc ils ont littéralement interdit les possesseurs d'iPhone et autres de pouvoir accéder aux jeux des éditeurs Epic Games. Donc Fortnite, Epic Games, qui n'a pas beaucoup apprécié ça, ont emmené Apple en justice. Et donc, comme tu nous l'as dit tout à l'heure, ce n'est pas les seuls. Il y a aussi Play Store. Après, ce qu'il y a eu avec Play Store, c'est que... d'après ce que je sais, c'est que genre en gros ils allaient ça allait être une guerre aussi entre Epic et puis Play Store, mais Play Store, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont ils ont lâché le truc, genre en mode ils ont fait vas-y Epic Games, faites votre vie et tout ça, et puis voilà, ils ont pas continué, contrairement à Apple qui sont battus, on va dire, contre Epic Games. Oui. Jusqu'à partir sur un procès et tout, mais eux, Google Play, ce qu'ils avaient fait au début, c'est qu'ils avaient bloqué sur certains appareils le jeu, et du coup sur par exemple les on va dire les anciens Samsung, tout ça, et ben tu pouvais pas jouer au jeu, et maintenant c'est revenu comme avant normalement, et puis Makoto qui nous dit complètement d'accord, mais ouais. C'est parce que Apple a des couilles. Alors après, est-ce que Apple a des couilles ou pas, c'est pas tant le problème justement, c'est que c'est pour ça qu'ils ont fait un procès Epic Games, c'est parce que Apple utilise trop cette sorte de biodiversité qu'ils ont créée justement. Ils ont créé une sorte de biodiversité avec tout le monopole qu'ils peuvent avoir, et ils peuvent se permettre de réaliser ce genre d'action, mais ce qui est quand même un peu normalement c'est vrai que c'est pas très légal, parce que du coup je sais plus comment ça s'appelle, ça fait un an qu'ils ont ce genre de problème. Oui, ce qui pose problème, c'est que c'est de la un peu comme de la concurrence déloyale du coup. Donc du coup c'est vrai que c'est un peu problématique. Et donc toi du coup, Kiro, tu t'avais jamais entendu parler de ça, toi? J'avais jamais entendu parler de ça. Alors je savais que bon, il y avait plein de problèmes avec Epic Games, ce qui est normal parce que c'est un studio énorme. Mais je savais pas qu'il y avait des problèmes au niveau de ces packs, enfin de ces V-Bucks. Moi j'en ai fait un peu les frais. Bon, j'ai mis quelques centaines d'euros dans ce jeu maudit. Ouais. Je me suis fait avoir. J'ai pas trashé les feux de moi. Non, Fortnite c'est un très très bon jeu. Je savais pas qu'ils avaient autant de problèmes, et surtout avec de grosses plateformes comme Apple ou alors PlayStation, Sony du coup. Mais je n'avais jamais entendu parler, tout simplement. Et pour moi, ce problème va beaucoup plus loin, parce que si tu fais bien attention, tu as toutes les grosses industries qui regardent justement ce procès. Parce que si, imaginons que Epic gagne, ça veut dire que sur chaque plateforme, tu ne peux plus avoir un seul store. Donc ça veut dire que PlayStation ne peut plus avoir de Play Store sur leur console, Xbox ne peut plus avoir leur store sur leur console, et ça entraîne toute une réaction en chaîne qui peut faire peur à certaines personnes. Donc, par exemple, il y a eu le cas aussi où tu vois Apple a bloqué quelque chose de Xbox, je ne sais plus comment c'est. En gros, c'est pour avoir le Game Pass, si j'ai bien compris. Le Battle Pass, ouais. Le Battle Pass ? Ouais, je crois que c'est ça. Oui, ça s'appelle le Battle Pass. Soit, c'est une espèce de Battle Pass qu'on peut avoir sur smartphone, mais Apple l'a bloqué parce qu'ils doivent déposer chaque jeu avant de déposer le store, en fait. Et Xbox,
Xbox a dit que le Xbox Game Pass, alors c'est peut-être ça. Ah ouais, c'est peut-être ça. Ouais, Xbox Game Pass, c'est ça. Ouais. Et il y a eu exactement pareil aussi avec l'application de Nvidia qui permettait de pouvoir jouer à ces jeux en cloud. Mais Apple a bloqué parce qu'ils considèrent que c'est un store de jeux. Donc ils n'ont pas voulu le faire. Et c'est exactement le même problème qu'Epic Store. Pourtant, il y en a qui disent que il faut un peu à la tête du client parce que par exemple Netflix, eux, qui distribuent aussi que des films, bah, si on va dans la même logique, ils doivent d'abord déposer tous les films avant de pouvoir proposer leur plateforme. Ouais, c'est logique. Ouais, c'est ça. Donc il y en a qui... Il y a tout un truc qui se passe là-dessus et ça pourrait vraiment changer tout le marché du numérique en gros. C'est vrai, j'avoue. Et il disait aussi que Apple trouvait que Epic Games était hypocrite parce que apparemment pour acheter des V-Bucks sur PlayStation, il y a une commission de 30% aussi. Et pourtant, eux, ils ne les attaquent pas parce qu'ils disent que c'est des consoles et pas des smartphones. Non, il n'y a pas de frais en plus sur console. Ah, je sais pas, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Non, les V-Bucks. Les V-Bucks, je crois qu'il n'y en a pas. Hein. Non, il n'y a pas de. Y a non, pas ouais, de... non. C'est ce que j'ai lu tout à l'heure. Parce qu'apparemment, parce que ça a commencé il n'y a pas très longtemps, je crois, le procès. Ouais, le 3 mai. Ouais, et je ne retrouve plus le. Voilà, c'était le X-Cloud pour. Voilà, Apple était l'objectif, le cas de xCloud et Netflix. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Après, ça va se dire aussi, admettons, Epic Games gagne. Oui. Du coup, ça veut forcément dire que si Epic Games reste à gagner contre Apple, c'est qu'il y a peut-être éventuellement d'autres jeux qui peuvent gagner contre Apple. Après, là, c'est justement, comme on peut le voir du coup au niveau de l'article, le procès, lui, porte sur un arrangement contractuel spécifique. Il va y avoir un arrangement, etc. Mais par exemple, tout à l'heure, tu parlais de Play Store, et en fait, la différence entre Google et Apple, c'est que Google, il laisse t'as plusieurs stores. Tu as d'autres plateformes de téléchargement que Apple, ils voudraient pouvoir être le seul en fait à gérer. Et ils ont un peu triché sur les rivaux, quoi. Donc en prenant des commissions plus qu'élevées. Voilà, sur les téléphones, c'est 2€ de plus pour la commission du Play Store ou de l'Apple Store. Donc c'est vrai que. Après, le truc, c'est que faut pas oublier que faut aussi qu'ils puissent avoir leur part du marché. C'est ça. Ah, c'est sûr, mais il faut pas trop qu'ils abusent. Uber Eats, s'ils prenaient pas des frais en plus, ils gagneraient rien en fait. C'est ça. Ouais, mais Uber Eats, ils font que la livraison. Du coup, ça doit être, c'est quoi, 2€, quelque chose comme ça quand... Ouais, 2€, ça dépend. Mais en fait, le vrai problème qu'il y a eu là, du coup, c'est que Epic Games, eux, voulaient proposer un tarif moins cher. Mais ça n'a pas plu à Apple, et du coup, Apple a bloqué. Ce qui c'est pas forcément très normal, mais bon. C'est pas la première fois qu'on voit ça. Hein. Regardez, quand on voit avec, par exemple, c'est pas tout à fait pareil, mais Leclerc avec Coca, par exemple, ou même d'autres marques, mais pendant un moment, je sais pas si vous avez fait attention, il y avait plus de Coca, il y avait plus de Monster, donc toute la marque de l'entreprise Coca, il y avait plus rien dans les Leclerc pendant un bon moment, parce qu'en fait, c'était pour forcer à baisser leur prix. Alors en soi, c'est bien pour nous en tant que consommateurs, hein, mais après, c'est pas forcément très loyal et tout, donc c'est ça quand on a une grosse force majeure, et c'est ce qui peut arriver. Uber Eats prend 30% au restaurant. Ouais, c'est ça. En sachant que, attention, ils prennent 30% plus les frais de livraison. En fait, les frais de livraison, c'est qu'une partie en réalité. Hein. Parce que si vous regardez sur Uber Eats, quand vous commandez, c'est pas du tout le même prix que si vous allez sur place directement. Parce que justement, la marge de
la marge de Uber Eats, on la voit pas directement, contrairement aux frais de livraison où là, bah, c'est détaillé et tout. Et c'est pour ça, on fait pas attention, on se dit, oh, ça va, c'est 1 ou 2 euros de livraison, ça passe encore. D'ailleurs, on se demande même comment ça se fait que les livreurs Uber Eats peuvent gagner leur vie avec c'est seulement 1 ou 2 euros à chaque livraison. Mais en fait, c'est parce que derrière, sur la vente des produits, bah, il y a le pourcentage d'Uber Eats. Oui, c'est un truc de malade, c'est pour ça que beaucoup de restaurants refusent de passer par eux. Et oui, mais de plus en plus acceptent parce que bah, malheureusement, avec les confinements et compagnie, bah, il n'y avait plus beaucoup de choix. Ouais, voilà. On a un peu dépassé les restaurants, c'est vrai. C'est ça. Est-ce que on va pouvoir passer au sujet suivant, je pense? Bah, juste, le truc, c'est que c'est pareil parce que comme Apple, ils ont arrêté ça et qu'il y a beaucoup plus de... Bah, à l'époque, les joueurs mobiles et tout ça, il y a beaucoup plus de joueurs iPhone, tout ça, que Samsung. Et c'est pareil, ça a impacté beaucoup de choses au niveau de la compétition. Fortnite, ils ont carrément arrêté de faire des compétitions que mobiles, justement, à cause de ça, parce que du coup, il y a beaucoup moins de joueurs mobiles. Et en plus ça, genre, il y a... Bah, pour ceux qui connaissent Fortnite, hein, il y a le créatif, tout ça. Et du coup, les gens qui jouent super bien et tout sur téléphone, c'est assez rare. Et du coup, ceux qui arrivaient vraiment à bien jouer sur téléphone et tout, qui se faisaient connaître grâce à ça et tout, bah, aujourd'hui, bah, ils sont plus rien, quoi, on va dire. On les voit plus. Kiro. Du coup, c'est sûr que là, en fait, c'est pas que eux deux en soi la guerre, hein, c'est tout pour les joueurs. Ouais, mais après, sur manette, sur téléphone, tu pouvais mettre une manette, tu pouvais, je sais plus ce que tu pouvais faire. Du mais coup, ça, ouais, ça fausse un peu le truc, quoi. Ouais, mais après, on voit si le. Enfin, ça se voit à son gameplay, si le mec il est manette ou pas, tu vois. Ouais. Oh, mais oui, carrément. Non, mais c'est vrai qu'il y avait des génies, ils avaient 300 de QI pour jouer, pour aligner leurs pouces. Je sais pas comment ils font d'ailleurs. Ah, mais il y en a. Moi, je galère sur Tetris, non, mais c'est sûr que eux, sur Fortnite, il y en a, c'était des génies, c'est sûr. Ouais, c'est comme tout, l'entraînement, et puis c'est bon. C'est sûr, ouais, carrément. Voilà. Alors, on va pouvoir passer au prochain sujet, du coup. Est-ce que parmi vous, il y en a qui ont joué à Cyberpunk 2077? Ouais. Ouais. Le début. Je pense qu'on a tous à peu près y joué. Non. Non, pas toi? Non, même pas. Mais j'ai beaucoup vu le let's play personnellement. D'accord. Bon, moi, je l'ai fait partie des gros pigeons qui ont acheté le jeu en précommande. Parlant de ça, bah, tu dis pigeon, mais j'ai des chiffres. Bah, j'ai repris des chiffres justement vu qu'on avait parlé de CD Projekt. Ouais. Attends, je les reprends vite fait. Ça va vous faire halluciner. Hein. En tout cas, juste ce que je peux vous dire, c'est CD Projekt n'a jamais été aussi bien grâce à Cyberpunk. Ah ouais? Ouais. Je savais qu'il avait marché, ils ont eu quand même beaucoup de remboursements à faire. Hein. Non, mais bah, attends, justement. Donc, il y a eu 13,7 millions de ventes et 30 millions d'exemplaires remboursés. 30 000 exemplaires remboursés. Donc, ça ne fait même pas. Bah oui, c'est ça. Donc, en gros, ils se sont fait attendre. Hein. Donc, ils n'ont jamais fait un résultat aussi haut. Donc, ils ont gagné environ 468 millions d'euros pour un bénéfice opérationnel d'environ 252 millions d'euros. Donc, la société vient de multiplier par 2,3 son précédent record, qui était avec The Witcher 3. Ah, c'est les... D'accord, je ne savais pas que c'était les développeurs de The Witcher 3. Mais justement... The Witcher 3 avait exactement les mêmes problèmes au début. Pas aussi poussé, mais ils avaient des problèmes aussi au début, avant les mises à jour. Parlons-en de The Witcher 3. Ce n'est pas pour rien qu'on vient sur le sujet. Donc, CD Projekt Red, qui est donc les développeurs, le réalisateur de The Witcher 3 s'en va, accusé de harcèlement moral. Ah oui, Voilà. Cette affaire... C'est vrai que j'en ai entendu vaguement parler. J'ai trop mené l'enquête. Mais... Autant on a eu pas mal de problèmes, comme on le disait, avec Cyberpunk 2077, sur PS4, Xbox One notamment, parce que sur PC encore ça pouvait passer. Autant sur les autres jeux, sur les autres consoles, c'était là où c'était le plus difficile. Autant cette fois-ci, c'est sur le côté humain. Alors, on a déjà entendu quelques problèmes déjà au niveau de la boîte. Où justement, il y avait quand même pas mal de problèmes avec les développeurs, dans le sens où c'était un peu, alors on va pas dire de la maltraitance, mais ils sont H24 à devoir développer le jeu, et c'est ce qui a fait un impact. Ouais, voilà, c'est ça, exactement.
qui a fait tu cherches quoi, qui a fait pas mal de mauvais trucs au jeu. Donc du coup Konrad Tomaszkiewicz, j'espère ne pas avoir trop écorché le prénom, a quitté CD Projekt Red grâce pardon. Donc c'est le vice-président du développement de studio polonais qui avait d'abord débuté en tant que testeur junior sur The Witcher. Il a été lié à des accusations de comportement toxique. Donc, c'est aussi, il était designer de Cyberpunk 2077, ou non, ça c'est le frère, ouais. Était sous le coup d'une enquête interne depuis plusieurs mois déjà, donc en plus ça datait pas d'aujourd'hui. Plusieurs employés l'avaient accusé de harcèlement moral. S'il a été reconnu non coupable des faits qui lui ont été reprochés, il a préféré partir pour ne pas envenimer les choses. Dans un email interne, ouais, il partait avec un petit parachute doré. C'est ça. C'est bien entendu procuré. Il s'excuse d'avoir pu causer du tort ou faire ressentir de la peur, du stress ou de l'inconfort à ses collaborateurs. Il ajoute qu'il continuera à travailler sur lui-même et que si changer de comportement sera long et difficile, il n'abandonnera pas. Toujours selon le journaliste américain, il devait avoir un rôle important dans le développement du prochain jeu de la série, The Witcher. Quelles conséquences sa démission aura-t-elle sur la production à venir ? Dieu seul le sait, et peut-être Traz aussi. Donc voilà, donc c'était pour parler un petit peu de ça. Donc on sait qu'il y a eu déjà pas mal de problèmes avec Cyberpunk. On sait qu'ils avaient fait, qu'il y a eu beaucoup de crush au niveau du développement du jeu, hein, pour toutes les personnes employées chez eux. Et encore une fois, pas étonnant de voir ce genre de problème de harcèlement qui était déjà revenu avec d'autres personnes. Hein. Et à mon avis, il doit avoir une pression énorme des actionnaires aussi, d'être poussé je ne sais combien de fois. Oui, en fait, c'est un peu... Non, ouais, je ne dis pas que ça pardonne ce qu'il a fait. Non, c'est sûr. Après, il a eu, à mon avis, c'est un peu comme le serpent qui se mord la queue, c'est qu'ils ont les investisseurs qui foutent la pression, ils ont la pression et ils les mettent aux autres. Et après, bah, c'est ceux qui sont au plus bas qui prennent le plus cher. Quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ils ont mis trop de hype autour du jeu. Ils auraient dû gérer le marketing bien mieux que ça. C'est ça. Et est-ce qu'ils ont prévu aussi autant d'ampleur sur le jeu ? Est-ce qu'ils s'attendaient à autant de succès au final ? Bah, ça fait combien de temps qu'il a été présenté, Cyberpunk ? Franchement, ça fait un moment, je pense. Hein. Ouais, je crois bien. Il y a 3-4 3 peut-être. Ouais, je dirais 3-4 ans. Hein ? Oui, il avait été présenté il y a très très longtemps déjà. Ah ouais, autant. Ouais, je crois bien. Il l'aurait pas dit si tôt et il l'aurait dit, allez, il y a 2-3 mois avant qu'il soit bien entamé. Je pense que ça aurait été, quoi. Mais ouais, moi je m'attendais pas à autant, parce que j'ai vu quelques streamers qui l'ont réalisé tout ça. Ils ont eu des bons retours, mais c'est vrai que je pensais pas qu'il allait autant marcher. Quoi, je avec les chiffres que tu m'as donné. Pour avoir de bons retours avec, il faut avoir au moins des RTX 3000. Ouais, oui, c'est ça. Ouais, c'est exactement ouais, c'est ça. Et encore, écoute, parce que des trucs genre les voitures, le déplacement des voitures, c'était vraiment une horreur. Ouais, il y a eu plein de bugs. Moi, j'attends un peu comme No Man's Sky. T'attends un petit peu. Et tu joues d'ici un an ou deux. Est-ce que vous êtes fan de Star Wars ? Est-ce qu'il y a des fans de Star Wars ? Oui, bien sûr. Comment ne pas être fan de Star Wars ? Tu es fan de Star Wars, toi ? Bien sûr. Je ne le savais pas. Je le découvre. Donc, tous ici a regardé au moins une fois dans sa vie Star Wars. Sauf le dernier, j'ai la haine. Et on a tous... Comment ça, sauf le dernier ? Ah, à chaque fois, je l'oublie. Pour un fan, quoi. Pour un fan. Ouais, c'est fou la honte. Alors, si je vous en parle, c'est parce que, au fond de nous, est-ce qu'on n'a pas tous un jour rêvé d'avoir un sabre laser ? Oh, ça, ouais. Un Et bon bien, sabre. Disney, c'est vrai Disney que Disney a décidé de vous en faire une réalité. Ils ont décidé de créer. Non. Ils ont décidé pour les de enfants. Créer une attraction. Qui s'appelle le Galactic Star Cruiser, donc Star Wars, dans le parc Star Wars. Et le sabre laser de Disney arrivera en 2022. Donc c'est quand même assez proche, c'est l'année prochaine.
Donc les studios de Disney ont profité du Star Wars Day pour en dire plus sur le sabre laser. Il sera l'une des attractions du parc Star Wars, Galactic Star Cruiser, et ce sera au cœur d'un séjour de 2 jours dans un hôtel de luxe. Putain, si c'est Disney, tu vas bien payer la plaid. Ouais, ça doit être ça. C'est ça, c'est déjà assez cher de base, tu vois. Bah c'est bon, on a encore un an pour économiser. Bah, c'est déjà pas mal. Hey. Puis avec un peu de chance, ce sera assez sympa. Et il me semble déjà que quand tu vas à Disneyland Paris, j'ai vu des enfants faire des cours de Jedi ou je ne sais pas trop quoi. Ouais, bah c'est un sport. Ouais, il y a un sport. C'est un sport, ouais. il y a un sport. Il y a un sport. Il y a même une entreprise qui ne fait que ça. Ah, regardez ce petit sabre laser qui sort. Voilà. J'ai si hâte. Là, il est pas mal. Donc du coup, sera-t-il disponible à la vente? En fait, ce sera une version évoluée du parc Galaxy Edge et avec la possibilité de rester 2 nuits comme dans Westworld. Sans doute que les visiteurs seront plongés dans l'ambiance de la saga avec costumes, vaisseaux et donc sabre laser en main. Au final, la seule interrogation concerne la disponibilité. Est-ce qu'il sera possible d'acheter le sabre laser dans les boutiques Disney? Le prix, surtout. Aucune information ne circule, mais selon The Verge, ils seront sans doute proposés en exclusivité aux clients de l'expérience Galactic Star Cruiser. Et comme ils seront logés dans un hôtel de luxe, on peut s'attendre à ce que l'appareil coûte très très cher. Ah bah là. Si c'est le prix d'une Tesla, bon, autant favoriser la Tesla. Les gros fans qui vont y aller. Ouais, je pense être les gros fanboys, tout ça, tout ce qui sont capables de mettre autant d'argent dans un sabre laser. Après, je dis pas que c'est nul ou pas, hein, mais attention, mais c'est un budget. Hein. Quelqu'un qui est fan de, je sais pas, Star Wars, Pirates des Caraïbes, Harry Potter, il y en a, ils déversent des sommes astronomiques pour avoir le dernier truc. Et du coup, ouais, faut être sacrément fan pour acheter ce genre d'artefact. C'est vrai. Après, il y en a. Hein. Franchement, je pense que au niveau de la série Star Wars, je pense que des fans, ouais, c'est pas ce qui manque. C'est tellement vieux. ouais, bien sûr. Et puis, c'est toute génération, Star Wars. C'est ça. Nos parents ont regardé, voient peut-être leurs grands-parents. Peut-être que je pousse un peu loin là. Je crois qu'avant, c'était des livres, non? Ouais, bah sûr. Ouais, du coup, oui, c'était adapté. Ouais, c'est sûr. Et Seigneur des Anneaux aussi. Seigneur des Anneaux. Ouais, c'est ça. C'est incroyable, tous ces univers sont fous. C'est un truc qui nous a un peu bercé depuis tout petit. Ouais. C'est tellement des lores géniaux que ça perdure dans le temps. Star Wars, Seigneur des Anneaux. Ouais, carrément. Ouais. Et maintenant Avengers peut-être. Mais ça ne s'élève pas à la même qualité. Ça fait déjà quoi, 20 ans ou 10 ans, je ne sais plus. Avengers? Ouais. Alors, je crois que j'ai une discussion du coup. Le MCU, ça fait bien. Ouais. Le MCU, ouais, je pense. Mais il y a plus de 10 ans, ça c'est sûr. Ah oui, ça c'est sûr, plus de 10 ans, oui. D'ailleurs, vu qu'on parle de Disney, ils sont en train de refaire toute l'annexe au Disney Studio. Qu'est-ce que tu n'as pas tout compris? Je vois qu'il y en a un qui n'a pas tout compris dans le. Alors, les comics Marvel, ça a été créé en 1963. Ouais, ça remonte. Ça remonte à très loin. Un petit peu. Hein. Ah ouais. Quand on voit maintenant les films qui nous sort Marvel, c'est pas fini. On a eu quelques spin-offs, tout ça, toutes les affiches. Bon, y en a... La dernière série était pas mal. J'ai moins aimé le Winter Soldier et. Ah merde, j'ai oublié son nom là. Le dernier. C'était Winter Soldier et le Black Falcon, je sais plus. Ah oui, ouais, Soldat d'hiver et oui, il faut qu'il y ait en Captain America, ouais, tout ça, machin. Ouais, et ben elle a bien marché, hein. Elle a super. Bah, j'ai quand même préféré. WandaVision, peut-être. WandaVision, ouais. Alors, ouais. Du coup, est-ce que. Là, je vois la question qui arrive dans les commentaires. Je pense que ici aussi, on se pose tous la question. À votre avis. Tu pourras couper ton jambon avec. Comment est fait ce sabre laser? Je veux savoir. Tiens, on va commencer par toi, Kiro. Dis-moi comment tu le vois. Comment est-ce que tu vois ce sabre laser? Moi, franchement, je savais pas qu'ils allaient sortir un artefact de ce genre. Mais déjà, je pense que ça va être comment ça s'appelle le poignet, genre il va être en métal, tout ça. Le manche, ouais. Et le manche, voilà, pardon.
va être en métal, tout ça, et après ça va être en avec des termes de fusion, tout ça. Après, je sais pas si vraiment ils vont le laisser à n'importe qui, mais ouais, j'en ai aucune idée, franchement. Et du coup, c'est pour ça, en regardant la question, je réfléchissais justement à comment ils peuvent faire ça. Ok, il y a un gars sur YouTube qui s'écrit son propre sabre laser. Ouais, il y en a plein, ouais. C'est vrai qu'il y en a plein qui le font fait maison. Et toi, comment est-ce que tu vois ce sabre laser à Disney? Le vrai, bah, je sais pas, c'est un truc de très haute qualité ou pas? J'imagine que oui. On va revenir là-dessus. On a vu, ouais, ça, c'est certainement Kryzen, un très bon mangeant. Qu'est-ce que t'en penses? Comment tu le vois ce sabre? Je pense pas que ce soit un truc genre en mode un vrai sabre laser, genre. Ouais, parce que sinon t'es là, repas de famille, t'arrives pas à couper le jambon, t'inquiète, je sabre, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Mais non, mais ça m'étonnerait que ce soit un vrai truc. Enfin, je pense que c'est un. C'est soit ça va être genre un truc en mode hologramme un peu, ou soit. Ouais, je pense aussi. Ou soit vraiment, s'ils veulent vraiment faire un truc en mode il y a des combats avec et tout, ça va être un truc, enfin, je sais pas, genre en mode. Faut que ce soit dur, tu vois, pour que ça se touche, enfin. Je sais pas comment dire. Que ce soit réel, ouais, quoi. Que ce soit réaliste, quoi. Combat, hein. Alors... Que ce soit une épée, quoi. Ok. Moi, je vais vous dire ce que j'en pense. Que ce soit une espèce de matraque télescopique allumée avec des LED. Franchement, on est loin du sabre laser qui tranche des morceaux de jambon, hein, clairement. Le secret de fabrication du nouveau sabre laser de Disney a dévoilé en authentique sabre laser pour une nouvelle attraction disponible en juin, Disneyland Park d'Anaheim. Son secret de fabrication est finalement enfantin, puisqu'il reprend le principe du maître enrouleur que tout bon bricoleur possède dans sa poche. Le téléphone ? C'est ça. Sur le croquis, on distingue bien le moteur, les deux lames enroulées situées au centre du manche et enfin le rouleau de LED. Effectivement, une chaîne de LED pour éliminer le tube. Quoi ? Ouais, c'est vrai. Ouais, de toute façon. Une chaîne de LED pour éliminer le tube. Le brevet de ce jouet est disponible en ligne depuis 2018 et voici ce qu'on peut y lire. La lame, entre guillemets, du sabre laser se compose de deux bobines de matériaux translucides qui reposent à plat une fois complètement enroulé, comme un ruban mesuré à l'intérieur de sa bobine. Lorsque chaque ruban est tiré à l'extrémité, il se courbe en un demi-cercle qui forme la moitié de la lame. Tu tapes un peu fort et c'est pas tant deux. Une chaîne de LED flexible est montée sur une troisième bobine motorisée à l'intérieur du cadre du sabre laser. Les deux moitiés de la lame sont imbriquées ensemble lorsqu'elles sortent du socle pour former un tube, créant ainsi un seul faisceau de sabre laser. Bien évidemment, tout cela reste souple et il n'est pas conseillé de se battre avec. De la même façon qu'un maître enrouleur se tord lorsqu'on l'agite. Putain, oh, c'est tellement décevant. Ouais, je suis déçu. Du coup, on va pouvoir regarder un petit peu. Il y a une petite vidéo. Alors, attendez. Parce que ça existe déjà, ces trucs-là. Ouais, on a une petite vidéo qui explique en gros comment ça fonctionne. Regardons cette magnifique vidéo qui va nous donner envie d'acheter cette... Voilà, donc en gros, c'est ni plus ni moins. Donc vous voyez, en fait, je sais pas si vous le voyez. Ouais. En gros, c'est juste... Donc de chaque côté, vous pouvez voir, c'est un deuxième truc en rouleur. En fait, c'est comme les maîtres. Vous savez, ils sont un petit peu arrondis, les maîtres. Ça, je vais le sortir, mon sabre laser. Voilà. Voilà, exactement. Bah, c'est exactement ça, mec. Tu l'as, c'est bon, bien joué. Fin de l'anecdote. Avec une petite bande au milieu. C'est de l'arnaque. Rajoute une bande LED. Ouais, attends. Ça, ah merde, j'en ai pas ici. Heureusement qu'on a précisé que ce serait une attraction très très chère et qu'il faut être dans un truc de luxe. Pour que ça fonctionne. On dirait des rouleaux de papier toilette. Pour attraper, tu vois. Non, bah, vrai, du coup, ce sera pas vendable. Enfin, je pense pas que ça va être vendu, ça. Hein. Si, ça va être un petit jouet. Après, ce qui est dommage, c'est que tu vois, par exemple, il y a des marques. Alors, j'ai plus le nom de la marque. Peut-être que certains le sauront. Je sais qu'il y a une marque qui est spécialisée dans les sabres laser. Et, ah putain, si ça me dit un truc. Tu peux te battre avec et tout. C'est un nom un peu spécial, assez facile à retrouver. Je crois d'ailleurs ce sabre que tu parles, je suis pas sûr, mais on peut le retrouver dans les magasins LDLC, parce que moi je cherchais un truc pour mon PC, ouais. C'était une carte graphique, tout ça, bon, je vous explique pas les détails. Sponsorisé. Mais ouais, à LDLC.
Ah bah sur putain c'est ça exactement c'est Solari, ça. Voilà. Ouais Solari, c'est ça. Donc, je vous le mets en même temps. Solari, sabre laser connecté le plus réaliste du marché. Donc en gros, c'est ni plus ni moins qu'un sabre laser qui est connecté. Vous pouvez l'utiliser pendant vos lives, pendant plein de trucs avec vos téléphones, etc. Et j'ai vu un peu de trucs qui vont avec. Et ça peut réagir avec le son. Vous pouvez vous en servir pour un live Twitch. Par exemple, je sais pas si vous voulez changer... comment ça s'appelle ? Oui, Cyberforge aussi. Mais ça coûte une blinde. Par exemple, il suffirait par exemple de juste donner un petit coup de sabre, justement, comme ça. Et en fait, ça peut par exemple changer la lumière, ça peut faire une animation sur votre live, etc. Et voilà. On appelle la vidéo là, s'il te plaît, pour voir. Ouais, tiens. Ça intéresse en fait. Je vais l'acheter juste après deux secondes. Alors, c'est j'ai jamais vu la vidéo. Quoi, ça, 400 à 500 euros. Je vais la mettre sur une autre. Moi, je pense que non, c'était ouais, plus de 250 euros, je crois. Ouais. Putain, ouais. Donc après, s'ils font le 10 fois sans frais, il n'y a pas de problème. Hein. La différence, c'est qu'au moins, tu peux te battre avec, tu peux taper dessus, ça fonctionne. Pour frapper tes gosses plus tard. C'est ça, exactement. Exactement. Ah, tu aimes Star Wars, tiens. Tout le top, mets, style. Je vous mets la petite vidéo. Hop, voilà. Donc on peut voir. Bon, moi, quand le gosse, il dit ouais, mon papa, il m'a tapé avec un sabre laser. Moi, mon papa, c'est un Jedi. Voilà, donc vous voyez, vous pouvez le connecter avec le téléphone, vous pouvez modifier les lumières, etc. Bah, on sent déjà que le mec, là, il a une dextérité assez incroyable. C'est ça. Là, ça ressemble... Il a peut-être l'escrime toute sa vie, le type. Là, on peut se battre avec. On est un peu loin de notre enfant métallique. On n'est pas là pour mesurer la distance. Ça se voit tous les dimanches, ils font un petit combat d'escrime. C'est entre copains. C'est ça. Ouais, par contre, ça te donne envie quand même. Hein. Ouais. Et est-ce que vous voulez, est-ce que vous voulez savoir une petite information ? Chez nous, donc nous personnellement, on se trouve sur Auxerre. Et chez nous, on a une association avec laquelle on est un tout petit peu en partenariat avec, qui de base on avait des projets à faire, mais le confinement nous en a empêché pour le moment. Et ils font ce qui s'appelle les Galactic Days. Donc peut-être que certains connaissent. Peut-être que certains connaissent. Et en fait, je suis ton père et tu gifles ton fils avec le sabre. D'accord. Ah bah là. Les Galactic Days, c'est un événement qui a lieu de base chaque année sur Auxerre et qui réunit pas mal de fans de fiction. Donc il réunit quand même plus de 1000 personnes à chaque année. Et il y a 2 ans, je crois, ils ont fait une bataille de sabre laser, exactement comme celle qu'on vient de voir. Et très souvent, ils font des animations, des animations comme ça. Deux fois, ça a été The Walking Dead, ils font du cosplay, etc. Et même dans la rue, pour ne serait-ce que distribuer les prospectus, ils vont dans la rue déguisés en cosplay pour distribuer les prospectus. Donc ça, je trouve ça assez stylé. Et ils font des batailles comme ça, des compétitions de sabre laser. Et c'est assez sympa, je trouve. Mais ces temps-ci ou dernièrement, enfin, je veux dire, il y a longtemps? Ah non, 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 en ce moment, c'est juste là, parce qu'en ce moment, avec le Covid, du coup, l'année dernière, ils n'ont pas pu le faire. Et peut-être cette année, mais pour l'instant, c'est pas prévu. Mais sinon, chaque année, ils le font, depuis quelques années déjà. Ouais, ça me fait penser un peu à... Bon, ça, l'univers, et ça se rapproche un peu, mais c'est, par exemple, sur Lyon, à Eurexpo, c'est une grande salle où ça accueille plein d'événements, comme par exemple le Salon des métiers, tout ça. Et des fois, chaque année, je crois, ou c'est peut-être 2 fois par an, ils accueillent la Japan Touch, donc c'est tout ce qui se raccole aux animés, tout ça. Et il y a sûrement des sabres laser, c'est jeux vidéo, il y a LOL, il y a plein de trucs. Et c'est super intéressant, il y a plein de... Comment ça s'appelle les costumes. Les cosplays, voilà, tout ce qui est cosplay, tout ce qui est déguisement, tout ça. Et on retrouve sûrement ce genre de choses que tu nous as parlé. C'est ça. Et de base, on devait justement participer à l'événement avec eux, avoir notre propre stand, etc., pour faire les tournois. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Mais on est en contact ensemble. Et puis, ils sont des gens très sympas. Et on a peut-être la possibilité de faire d'autres projets plus tard. Et puis pourquoi pas faire une émission comme celle-ci, mais en version physique, ce serait bien. Grave. Avec des combats de sabre laser, du coup. Bah, oui, bien mais c'est très incroyable. Moi, je suis chaud. Derrière, qui te regarde. Moi, je réserve mon billet maintenant, moi. Tout de donc, suite. Donc, c'est sûr, on va faire quelque chose. On essaiera de faire bien que c'est un mitrailleuse. Hein. Donc, voilà. Bon, bah, c'est quand même une bonne nouvelle d'avoir des choses comme ça.
Maintenant, on va pouvoir aborder le dernier sujet de la soirée. Et après, on va passer sur autre chose un petit peu. On va faire un petit peu de jeu. Tout le monde connaît Sony. Bien sûr. Tout le monde n'a pas encore la PS5. Ce Graal que beaucoup de personnes cherchent à atteindre. Bah ouais. Tout le monde connaît Discord. Ouais. Je pense. S'ils sont streamers, normalement, ils doivent connaître. C'est ça. Eh bien, sachez que Sony et Discord annoncent un partenariat. La messagerie débarque sur la PS5. Donc, très bientôt, vous allez pouvoir avoir Discord, ce qu'on n'avait pas avant sur la PS5. Ça peut être vachement intéressant, notamment, qui n'a jamais eu ce problème d'avoir des gens sur PC ou sur Xbox et d'avoir ce problème de cross-platform où tu peux littéralement pas parler avec parce qu'ils ont leur chat à la con. Désolé du mot, mais je suis désolé Sony, hein. Je vous aime bien aussi, mais votre partie vocale, c'est de la merde. Ah oui. Moi je trouve qu'il fonctionne plutôt bien. Enfin, j'ai déjà eu de soucis sur PS4. C'est pas le problème, mais c'est que regarde, tu peux être sur PC chez eux, quoi. Et parler avec un groupe et tout, c'est pratique. Que les gens sur PS4 et actuellement encore sur PS5, tu peux pas communiquer avec si tu n'as pas la console, par exemple. C'est ça qui est embêtant. Et sinon, faut avoir un appareil à côté et avoir Discord. Et ça, c'est relou. Quand tu es obligé d'avoir un casque et des écouteurs. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, c'est finalement Sony qui s'octroie un partenariat avec Discord après une tentative de rachat de la part de Microsoft. La firme japonaise a annoncé avoir investi une somme inconnue dans le service de messagerie afin que celui-ci intègre le PSN. Les détails du contrat n'ont pas encore été révélés, mais devraient concerner l'offre console et smartphone. Donc, c'est un avantage. De toute façon, dès que Sony investit un truc, Microsoft est là pour répondre. Microsoft voulait racheter Discord pour 10 milliards de dollars. Donc imaginez la somme qu'a dû sortir Sony. Imaginez. Bah, attention. Hein. Microsoft c'était pour racheter Sony, c'est un partenariat. Discord ne va pas leur appartenir. Donc c'est différent. Ah non, ils ont quand même sorti une grosse somme. J'imagine, mais moi je vois plus le Discord intégré à la PlayStation, un peu comme le Spotify ou le Netflix. Ouais. Oui, c'est ça. Mais la firme japonaise a annoncé avoir investi une somme inconnue dans le service de messagerie. Donc ils ont quand même investi de l'argent pour l'avoir. Et justement, donc, comme tu l'as dit, Discord a fait son choix. Au cours du mois de mars, Microsoft a signé son intérêt dans le rachat du service de messagerie et a pour cela mis les grands moyens. La firme a alors posé 10 milliards de dollars sur la table alors que la plateforme a été évaluée à 7 milliards de dollars en fin d'année dernière. Toutefois, les négociations ont échoué et Discord a refusé l'offre de rachat de Microsoft. Et Discord souhaite avant tout rester indépendante. Je crois que c'est plutôt pas mal qu'il reste indépendant. Ouais, je pense aussi. Le rachat de Microsoft, on a déjà eu les frais. Hein. Mais après, moi, ce que j'ai peur, c'est s'ils font comme tu as dit, comme Spotify, qu'on trouve sur PS4, on reste appuyé sur le bouton PlayStation et qu'on bascule tout ça. Moi, j'ai été ancien joueur PS4, enfin, j'ai toujours tout ça. Mais c'est vrai que moi, j'ai énormément de bugs. Par exemple, tu vas sur un jeu d'aventure comme The Witcher, tout ça, et que tu vas te mettre une musique un peu en fond, tranquille. Bah, moi, ce que ça me faisait, bon, après, c'est sûr que la PS4, ça fait quand même pas mal d'années que ça existe. Ça ralentissait les performances du jeu. Ça faisait tout bugger. C'était mais affreux. Et j'espère que s'ils font ça sur PS5, je pense que ça va être corrigé. Discord, ça prend quand même pas mal de coups avec les qualités des sons, tout ça. J'espère que si on joue à Call of, tout ça. Quand tu réfléchis, regarde le parti vocal PS4, c'est quand même pas pratique. C'est comme là, donc Managers Riz qui me dit c'est cool, mais on a tous un téléphone en vrai. Oui, ça c'est vrai, hein, on peut tous faire ça et on a toujours fait ça. Mais le problème, c'est que du coup, tu es obligé de te trimballer avec un casque, tu es obligé d'avoir des écouteurs, au pire des cas, il faut des câbles spéciaux, des machins. Et ça va être compliqué. Et après, il vaut mieux entendre une qualité micro comme nous que plutôt un téléphone, quoi. C'est ça. Puis en plus, c'est chiant, quoi, parce que du coup, tu dois porter des écouteurs en même temps que ton casque et tout. Enfin, c'est le bordel. Ouais. Que nous, sur Xbox, regarde, moi, je suis tranquille. J'ai le PC et la Xbox One.
Personnellement, j'ai pas besoin de mettre 20 000 trucs. Je gère tout le son, tous les sons avec mon PC et je récupère juste sur l'Xbox et encore. Puisque de toute façon, il y a l'application Xbox Compagnon. C'est vrai, je vais prendre un exemple de Fortnite encore une fois. Mais. ce jeu. Ah oui, bien. Ah bah, je suis pas compétitif dessus, mais. Là n'est pas le problème. En gros, quand par exemple tu joues avec des personnes qui sont PlayStation ou Xbox, enfin console quoi, et ben le problème c'est que avec cette personne là, t'es obligé de parler en jeu du coup, puisqu'il n'y a pas Discord sur les consoles. C'est ça. Ouais. Et en fait, le truc c'est que quand tu fais par exemple du 2 contre 2, des trucs comme ça, ou n'importe quoi, mais contre des personnes random, et que tu veux pas qu'ils entendent tes communications, ou juste t'as pas envie de parler avec eux, ou parce qu'ils sont toxiques, Sur Fortnite, hein. Ah, surtout sur Fortnite. c'est très chiant de dire à l'autre, bah, vas-y, bah, viens sur Discord, mais c'est la qualité dégueulasse, tant pis, on fait comme ça, rassure. C'est vrai. Surtout qu'en plus, ça, tu peux même pas. Enfin, si tu mutes l'adversaire, et ben, ils t'entendent quand même, en fait. Ouais, c'est vrai que ça devient plus compliqué, il y a plus de situations où c'est assez chiant, quoi. Donc, même si par exemple tu veux faire, admettons, du tryhard, et ben au final l'autre il entend tes communications, alors que voilà quoi. De toute façon, je pense que c'est un peu la suite logique, vu que tous les jeux deviennent un peu cross-platform. Je pense que Sony n'avait pas trop le choix de trouver une solution pour pouvoir parler avec tout le monde. Ouais, ça rend bien qu'ils aient fait ça. Ouais. Parce que c'est un peu con de faire du cross-platform et que tu peux parler. Enfin oui, il y aurait sûrement eu les chats intégrés au jeu. Mais c'est, moi, je trouve, je pense, pour moi, c'est quelque chose d'assez logique ce qu'ils ont fait. Parce que avec le développement énorme du cross-platform, hein, parce que tous les jeux ne l'ont pas encore, mais pratiquement. Sony n'était pas d'accord logique. Pour le cross-platform, ils ne voulaient pas du tout. Mais au final, ils l'ont fait et c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Bon, ils étaient contraints, je pense. Ils ont été quand même. Ils ont vu que bon, ça ramenait énormément d'argent, et enfin énormément de joueurs, et du coup énormément d'argent. Donc ils ont été contraints parce que Xbox l'ont fait aussi, du coup, sur tous les jeux, Warzone, Fortnite. Sony était un peu les derniers à faire ça. Microsoft, j'ai envie de dire, c'est un peu logique de base, de toute façon, parce que ne serait-ce que pour jouer entre Xbox et PC, ils en avaient besoin quand même. Ah bah sûrement, surtout. Donc voilà. Bon, et bah du coup, on a parlé d'à peu près tout, je pense. On va faire une petite animation. Assez sympathique. Ah, j'ai hâte. Qu'est-ce que ça va ? Gartic Phone ? Non, le principe. Oh putain. Non, me lance pas là-dedans. Je vais vous donner des titres de... d'articles, et ben vous devez deviner la fin. Jusque là ça va, c'est pas trop compliqué. Article. C'est des articles, c'est des faits divers insolites, donc vraiment un peu con par rapport, encore une fois, avec le sujet abordé. C'est des faits divers. Rien à voir, c'est juste que c'est drôle. On parle de chameau dans 2 minutes, c'est pas grave. C'est ça, c'est juste que c'est drôle. À tout moment on parle d'aquaponie, c'est pas pourquoi. Ça. Je me permets de boire. J'ai la gorge sèche. Il faut s'hydrater. C'est ça. Alors, est-ce que vous êtes prêts ? Ready ? On va dire ouais. Ok, let's go. Un conducteur pris en chasse par des jeunes parce qu'il a oublié quelque chose, mais quoi ? C'est quoi un camionneur ? Non, c'est quoi ? Non, un conducteur pris en chasse par des jeunes parce qu'il a oublié quelque chose, mais quoi ? Dans le vaisseau Framer ? Non. Non, il aurait pas, il serait pas allé bien, moi, j'ai un peu. Ouais, si, je l'ai déjà fait. Ah ouais. ça Allez, hop, ça part sur des anecdotes. Vous avez le droit de trouver dans le, de participer dans le chat. Hein. Après les chroniqueurs ne trichent pas. Peut-être qu'il a pu oublier son froc, je sais pas, non, peut-être pas. Non, toujours pas. Merde. J'ai fait le con, on nous a pas entendu pour un moment, j'ai mis l'affiche avec la musique. Qu'est-ce qu'il aurait pu oublier cette personne? Il a voulu dire au revoir. Tu vois 50 personnes. Il a pas oublié, je sais pas moi, sa femme ou ses enfants quelque part. Il a oublié quelque chose ou. Ouais, il a oublié quelque chose. Il a oublié. Il a oublié son gosse sur le toit. Non, quelque chose, c'était chose. C'est pas une personne. Ah ouais, les courses. C'est un truc qui a la con comme son enfant sur le toit. Ah bah, putain. Pas du tout, ce n'est pas son enfant sur le toit.
Et ce n'est pas sur le toit. Café. Bon bah sa femme dans la cave. Donc c'est simple, hein, il est en voiture et tout, et il est pris en chasse par des conducteurs, des jeunes conducteurs, parce qu'il a oublié quelque chose. Mais qu'est-ce qu'il a oublié qui fait que il s'est fait pourchasser ? Attends, mais comment ça il se fait chasser parce qu'il oublie quelque chose ? Alors attends, il s'est fait pourchasser en mode gentil, attendez, voilà. Un conducteur pris en chasse. Il était pris en chasse par des jeunes parce qu'il a oublié quelque chose. Bah, il a oublié son cerveau, je crois. Hein. Ses clés de voiture. Alors je sais pas comment il fait pour oublier ses clés de voiture et être pris en charge. C'est impossible. C'est pire que le frein à main. Il avait le coffre ouvert, il y avait des objets que les gens. Ce n'est pas un objet. Il a oublié son sabre laser. Il a pas dit bonjour. Je vois la ref. Mais au contraire, on pourrait presque dire qu'il a dit bonjour. Quoi ? Oh, ça m'a fait bugger là. Ouais. Ça m'a clairement fait bugger. Je l'ai regardé en mode t'es français toi ? Il est en voiture, il se fait pourchasser par des gens parce qu'il a oublié quelque chose. Mais qu'est-ce qu'il a pu oublier ? Conduisait le bonhomme. Le gars il était en train de conduire quoi. Qu'est-ce qu'il a oublié ? Il a oublié sa ceinture de sécurité. Ah, on se rapproche un peu. C'est pas encore ça, c'est dans le même style. C'est dans le même style. Il a oublié de vérifier ses rétros ? Non, toujours pas. C'est un truc incroyable ou pas ? C'est un truc très... Attends, il se chassait parce que... Enfin, genre, c'était avant ou après qu'il conduisait bon. En mode, il se chassait parce qu'il conduisait ou avant ? Un petit indice, quand ça arrivait, la victime qui est employée au supermarché d'Auchan, il est parti, il n'était pas encore 6 heures. Il a oublié de pointer. Il a oublié d'éteindre la lumière. Les lumières. Ah, les lumières de Auchan, oublié de fermer une porte. Ah, il avait peut-être la caisse, je sais pas. Il avait la caisse, non. Non, il a oublié. Bah, techniquement, s'il a la caisse, il l'a pas oublié, la caisse. Oui, il a oublié de fermer le magasin. Tu sais. Non, ce n'est pas son pare-brise. Il a oublié de dire au revoir au directeur ou. Je n'ai aucune idée. À sa collègue. Donc, il n'est pas encore 6h du matin. Il n'est pas encore 6h du matin et. Le jour n'est pas encore levé, hein, du coup. Ah, 6h du matin, j'ai compris au soir. Non, du matin, ouais. Du matin. Franchement, je donne ma langue au chat. Vous ne savez pas ? Foutre idée. Rien du tout. Un conducteur pris en chasse par des jeunes parce qu'il... De mettre ses phares. C'est pas tout à fait ça. Un conducteur pris en chasse par des jeunes parce qu'il a oublié d'enlever ses pleins phares. Ah d'accord, ok, putain. Juste pour ça ? Il n'est pas encore 6 heures, la victime employée au supermarché Auchan à Savonnières devant Bar 55 part au travail. Le jour n'est encore pas levé, les pleins phares de son véhicule sont allumés. Quand une voiture le double, il n'a pas le réflexe de repasser en feu de croisement. Les occupants de l'autre véhicule prennent cet oubli pour de la provocation et le prennent en chasse. Arrivé sur le parking du supermarché, l'un d'eux ira même jusqu'à donner des coups sur la voiture. Des insultes sont également proférées à l'encontre des policiers. Il se fait énerver les gens là. Mais c'est en ce moment et le Covid, ça atteint le cerveau, c'est pas possible, il se passe quoi là ? C'était il y a pas longtemps parce que c'était il y a 2 jours. Bah sûrement, bah voilà. Les gens sont tendus en ce moment, c'est normal qu'ils réagissent comme ça. Les nerfs sont des grands malades. Mais carrément. On se demande d'ailleurs, pourquoi il y a plein de flics qui meurent en ce moment. On a la réponse. Ouais. Il aurait très bien pu juste. Ah mais c'est ça. Il aurait pu très bien passer, dire bon, c'est pas grave, il a oublié, bon, ça m'arrive aussi. Non, je vais le rechercher, je vais le liquider. Vous savez à quoi sert le code de la route, n'oubliez après, jamais. Après, il va porter plainte, vous devinerez jamais ce qui m'est arrivé. Je te jure, c'est non. Il y a vraiment des infos un peu cons comme ça. Bah, surtout que les gens sont assez énervés pour des phares, quoi. Tu laisses passer, puis c'est bon, quoi. Au pire des cas, tu klaxonnes. Bah, c'est ouais. Mais il y a une anecdote là, je crois que c'est une légende en Espagne. Il paraît qu'il y a des voitures qui se promènent la nuit, les phares éteints, et si jamais tu leur fais des appels de phares pour leur signaler, bah, ils te poursuivent et ils te butent. Ah ouais, okay. J'en ai un autre. C'est des légendes comme ça. Mais... D'accord. Ouais. Dans le chat, 5h du mat, je me lève plein phare dans la gueule, faut avouer que ça me tend. Ouais, c'est vrai. Alors, manager, je vais juste répondre à ton truc, jamais tu te lèves à 5h du mat, voilà, c'est juste pour ça. Toi, tu te lèves, c'est 14h30 minimum. Voilà. C'est pas un manager pour rien. Hein. Exactement. Alors, une deuxième. Ce coiffeur original coupe les cheveux de ses clients avec quoi ?
Absolument. D'une façon très originale, hein, vraiment. Des cisailles ? Non. Avec un chalumeau qui s'est dit ça. J'ai pas capté en plus. Tu peux me répéter ce que tu as dit ? Au chalumeau. Qui a dit ça ? Une hache. Bah non, une hache, il décède la personne en bon, fait. Du coup, bah, non, ça a été dit. Tu hein. rigoles. Ce coiffeur original coupe les cheveux de ses clients au hachoir ou au chalumeau. Au chalumeau. Mais non. J'ai déjà Pourquoi non la hache, j'ai déjà vu aussi. En fait, la hache est hyper bien limée. Et c'est comme un rasoir. Hachoir, en fait. Morceau de verre. Ali Abba est un coiffeur pakistanais en fait, au savoir-faire pour le moins original. Il utilise des outils hors normes pour offrir à ses clients la plus stylée des coupes de cheveux. Un hachoir. La plus dégueulasse, ouais. En fait, il regarde ce qu'il y a par terre, il le prend, il fait bon, bah, allez, hein, c'est bon, parti. Bah, hein. Allez, go. Il prend son couteau du midi là. Exactement. Il reste encore un peu d'hamburger dessus, tu vois, tranquille. Hop. Ça vous dérange pas, madame ? Non, est-ce bah pas de soucis, hein. Allez-y. Hein. Et là, le kebab juste à côté. À votre avis. Vous en voulez un bout peut-être ? À votre avis, combien coûte une coupe chez lui ? Vas-y, je pense que c'est tellement abusé que ça doit être cher. 25 balles. Genre 50, 60. 25 balles. Je dirais 18 euros. Il y en a un qui s'en rapproche pas trop mal. 28. C'est moins. C'est en tout 30 ? C'est plus. 22 euros pour se faire découper de manière... Pour te faire massacrer les cheveux. Assez, Oh la pauvre. Oh la pauvre. Enfin, la pauvre personne qui va là-bas. Et il a du monde et il marche en commerce. Il y a des vidéos là-dessus. Il y a des vidéos, ouais, j'avoue. C'est vrai que c'est intéressant, ça, juste pour voir. Attends, parce que découper les gens... J'ai déjà vu, les gens. Quoi. Coiffure. Et étonnamment, les clients adorent. Je me sens complètement relax et à l'aise. Ouais, mais il enlève une gaz. Il y a une hache qui m'a foulé la nuque. Alors qu'il allume le cheveu. Ah ouais, j'en ai un là. Il enlève pas que des cheveux, c'est normal qu'ils sont ravis à la fin. Je... Il leur manque un truc dans la tête. Ils peuvent plus rien dire à la fin. Il lui coupe la langue en même temps. En plus, il y a une petite carte de vie, genre à la 7ème coupe, il y a une coupe gratuite. Donc en vrai, ça intéresse le monde. Hein. Non, la 7ème coupe, c'est il y va avec une tronçonneuse. Ouais, c'est ça, en fait. Après, c'est le luxe, tu vois. Il se fait un petit défi tous les jours. Il dit, hop, ouais, c'est ah ouais, là, je dirais qu'il va au bureau, quoi. Non, par contre, moi, j'avais vu, il y avait un coiffeur qui coiffait à l'envers. À l'envers ? Genre, il était suspendu au plafond et il coiffait les clients comme ça. Non, mais ça, c'est un défi, ça. C'est pas possible. Je te jure. Je crois que c'était sur le Discord, si tu veux. C'est n'importe quoi. Le dégradé, il a perdu un haut à combien, ça, c'est pas possible. Ouais, je pense. Je t'ai envoyé un lien, Coco. Ouais, je suis en train de... Grave à l'aise, le gars, s'il se loupe, soit t'es brûlé à mort, soit il te dénonce, défonce le crâne. Mais par ça, t'es grave à l'aise. De toute façon, tu n'es plus là pour en parler, donc il risque rien. Au fur il nous fait la vidéo, exactement. Tu m'as envoyé sur quoi le lien ? Je vois pas. Dans le chat animateur. Ouais, soit tu seras traumatisé, soit tu sens mort. Ah oui, ouais. Tiens, on a la vidéo. Il commence à capter Burin, tranquille. Je veux voir ça. Puis t'as la. Toujours sur son téléphone. Je veux voir ça. Je suis prêt là, moi je suis prêt. Je veux scream. Je veux scream, qui dit. On va mettre ça sur Twitter. C'est une séance cinéma, là. C'est parfait. Bah ouais. Ça me va. Alors. Prépare le popcorn. Ah ouais, attends, putain. Eh, pop, on dit pas ce nom-là ici parce que sinon on va avoir des problèmes après. Parce que bizarrement, il y a une émission qui porte le. Non, on s'en fout, comme ça ils vont venir. Ça les intéresse pas. Ouais, c'est des bons. Ils diffusent. On s'en fout, quelqu'un vient en manger avec c'est nous. C'est pas bien. En plus, on diffuse en même temps qu'eux. Non, mais franchement, on est des salauds. Mais d'ailleurs, dans leur émission, il y a personne qui en mange. Hein. Tout le monde fait les timides, hein, alors que moi, je les déglinguerais. Oh. Tu m'étonnes. On mange des camp pop. Hein ? On prend des camp pop, nous. C'est quoi ça? Popcorn, c'est la version Wish. Ah, okay. C'est la version Wish. T'as des popcorns de version Wish. Je vous mets ça tout de suite. Ça se trouve. Bam. Oh la merde. Donc là, tu vois, le gars il est là avec son marteau. En fait, de base, à mon avis, il devait être bricoleur. Il lui pilonne la cervelle, tout va bien. COVID, à cause du Covid, il a dû se reconvertir en coiffeur, tu vois. En plus, eh, franchement, je vais pas faire le mec, mais ça donne pas un truc dégueulasse. Bah ouais, non mais c'est... Non, mais au c'est final, bon. Ça revient au même. Faut juste être sûr de ses outils, quoi. Mais à la base, il est bouché, c'est pas possible, lui. Hein.
Mais gros, mais regarde ce qu'il fait. Ça va. Moi, je serais pas à l'aise. Ah ouais, il a trouvé aussi pire. Il a un lance-flamme. En fait, là, je pense que quand il te dit arrête de bouger, là, tu l'écoutes vraiment, je pense. Jamais de la vie, je paye ça pour 22 euros. À mon avis, ça va être ça en vrai. Le gars, il devait tellement en avoir marre des gens qui bougent tout le temps là. Il a fait putain, j'ai une solution. Fuck this note. Il sort attends, mais 22 euros pour mettre ta vie en jeu, c'est impossible. Jamais je fais ça. C'est dans quel pays, juste pour info hein. Là, c'est en Égypte. Ah bah, d'accord. Non, je me suis dit. Pakistan, d'accord. Ouais, Pakistan. En même temps, en France, je pense que ça aurait été déjà contrôlé. Est-ce que vous respectez les normes? À mon avis, non, mais à mon avis, les contrôleurs, ils veulent même pas le faire chier, tu vois. Ouais, je pense que lui, ouais. Ils vont pas, non, mais oui. Ils vont pas se dire, ouais, lui, on va vérifier ce qu'il fait. Hein. Lui, il est pas bien, il est fou. Il lui manque un truc. Imagine, tu vas faire un stage chez lui. Oh, genre ton maître de stage, il fait quoi? Chef, oh. J'ai déconné. Tu rentres en cours. Alors, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Bon. Tu veux le savoir, vraiment? Je suis pas sûr que c'est le bon moment d'en parler. Oh putain. Tu passes un sujet comme ça. Tu passes à CAP, genre ton examen, tu brûles le client. Au Mexique, il y a une famille qui s'est fait kidnapper une personne. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour se venger? Ils ont tué leur chien. Non. Au Mexique. La personne kidnappée, elle est encore en vie ou... Ils l'ont mangé un taco et burrito. Oui, elle a en vie. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire? Moi, je dirais. En vrai, le manger leur chien, là, c'est pas mal, ça. C'est une bonne idée, ça. Putain. Non, attends, qu'est-ce qu'ils auraient pu faire? Des Mexicains? Le mec, il précise. Des Mexicains, attends, parce que. Ouais, attends, est-ce que tu pars vraiment en couille avant ou pas? Attends, non, mais attends. Mexicains. Ils ont mangé leur faritas. Ah ouais? Ouais? Ils ont été qu'il y a eu des kidnappings et pour se venger, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont kidnappé. Les enfants des autres, des kidnappeurs. Et puis ils ont fait un échange. La famille du kidnappé kidnappe la famille du kidnappeur. C'est un running gag, le bordel. Il n'y a plus de gosse à la fin. Et après, il faut un troc. Il n'y a rien qui va. Putain. Mais ça, c'est pas normal. En temps normal, les gens ils appellent la police, je sais pas. Ouais, c'est un peu ça. Ouais, c'est au Mexique, mec. Il y a une enquête, il y a du cannabis, c'est tout. Ouais. Mais ça, c'est pendant les périodes du Covid, ça, 100%. Ils ont craqué, les gens. C'était il y a deux jours aussi. C'était... Non, d'ailleurs, le père, c'est celui qui coiffe les gens au sécateur et tout le bordel. Voilà, c'est celui-là, ça explique tout. Parce que là, il lui aurait offert une coupe et il l'aurait flagué. Ouais, c'est ça. Non, mais 100%, lui, il a un gun dans le tiroir, là, derrière les ciseaux, les hachoirs, okay. Tout ça. Alors, en Bretagne... Il y a un gars qui a appelé la police parce qu'il s'est fait voler quelque chose. Mais c'est pas n'importe quoi. En temps normal, on n'appellerait pas la police. Qu'est-ce sa femme s'est fait voler? Sa poupée gonflable. Quoi? Tu te fais voler ta femme, toi tu t'appelles pas la flic. Bon. Bon. C'est des semaines de bac, hein. Attends. Tu t'es retrouvé, hein. Qu'est-ce qu'il a pu se faire voler, le con? Un sex doll. Sa PS5 peut-être. PS5. C'est un peu plus cher que la PS5. Enfin, ça dépend comment on voit les choses. Sa voiture. Ouais. Non. Non, mais c'est quelque chose. Il s'est fait voler de sa drogue. Putain, il va falloir arrêter. Hein. Un flingue. Quand on appelle la police parce qu'on s'est fait voler son shit. C'est ça, je veux dire. Encore une histoire de drogue et de police. Cette fois, les agents de la paix n'y sont pour rien et ont dû rigoler au passage. Le pitch. Une jeune femme sort de boîte et découvre un voleur qui lui a dérobé sa drogue. Son réflexe, appeler le commissariat pour déclarer le vol. Il y en a qui sont pas très fins. On met ça sur le compte des neurones perdus par la fumette. Une garde à vue surprise, tel sera certainement le prix de cette honnêteté en état d'ébriété. Comment il a pas pu comprendre, le type? Quand il a entendu « Allô, gendarmerie, bonjour ?» Il s'est pas dit...
Ah, j'ai peut-être fait une connerie là. Là j'ai... Non. La sorte de soirée était certainement torché. Ouais, je pense que là, il n'était pas agent le type. Hein. Sinon, sinon, il fait très fort. Hein. Sinon, il a fait très très fort. En Indonésie, il y a la police qui ont fait un truc sur toute la ville. En gros, ils ont rendu la ville vraiment pas bien. Quoi. Ils l'ont. Ils ont fait un blackout. Ils ont fait quelque chose qui fait que tout le village était dans un état de fou rire, du coup. Ah, de fou rire carrément. Ouais, donc ils ont lâché de l'hélium ou de le gaz qui fait rire là. Mais putain, ils sont chiants dans le chat. On va arrêter de regarder. Ils ont brûlé la drogue. Le chat. Putain, arrête, c'était idée de ma part. Mais la prochaine fois, ouais. Quand la police indonésienne drogue toute une ville, Indonésie. Intelligent, le policier à l'origine de l'opération s'étonne de stupéfiants brûlés promettent en tout cas une bonne partie de fouilleur. Méga teuf. De quoi dérider les agents et donner de la feuille à retordre aux sapeurs. Putain, même les animaux et tout, oh là là, ça doit être incroyable. Excusez-moi, hein, fumer c'est mal, mais ça doit être si drôle. Oh, oh yo, ça fait penser au clip de Fatboy Slim, Yo Mama. Ça doit être un gros projet X dans la ville. En Indonésie en plus. Oh là là. C'est jamais en France comment ça se passe ça. Genre en France, il se passe quoi à part le Covid? Il n'y a rien qui se passe. Vraiment, il n'y a aucune info ici. C'est dommage. Alors, un gars ivre et sans permis. Est arrivé en avance. Beaucoup déjà. Il ouvre son permis, hop, on s'arrête là. Un conducteur alcoolique multirécidiviste a été donc à son procès, mais d'une manière assez originale. Laquelle ? En voiture. En voiture, il est rentré dedans. Ivre, mais responsable. Ce jeune homme n'y va pas de main morte. Ce conducteur alcoolique multirécidiviste s'est fait arrêter par les forces de l'ordre avec un degré d'alcoolémie dépassant la moyenne autorisée, sans permis et à une vitesse de 141 km/h. Le fautif a déclaré ne pas vouloir être en retard à son procès pour conduite en état d'ébriété et sans permis. Un triple délit qui se soldera sûrement par un retrait et une incarcération au long cours. Oh, oui. Il aurait dû venir bourré et en voiture, comme ça il aurait rien compris de base. C'est ça. Putain. S'il y a des gens qui appellent pour dire qu'ils se sont fait voler leur shit dans le chat. Ouais, en même temps, ouais, c'est pas faux. Ah, les gens peuvent être étonnants. Si le gars il vient à son jugement en voiture, c'est que pour lui il y pense même pas, c'est qu'il le fait tous les jours, à mon avis. T'en as rien à foutre d'avoir ne pas avoir le permis. Enfantillage de pilote. Quand deux avions font quelque chose. Dans le ciel. Check dans le ciel. Deux avions. Non. Ouais, c'est complètement con. Ça se passe en Floride. Ça se passe au Floride, aux USA. Ah, ils se passent l'un sur l'autre. Ou alors ils font comme sur GTA. Enfin, après, c'est un jeu, mais. Non, ils ont fait l'enfant. C'est des enfantillages de pilote. Ils ont fait quelque chose, mais quoi? Ils ont dessiné une bite dans le ciel. Tu peux arrêter d'aller sur Internet, s'il te plaît? Non, c'est ça. Enfin, c'est un pilote quand deux avions dessinent des pénis dans les airs. Ouais, ils se checkent dans le ciel. Oui, bon. Techniquement, c'est pas possible. Mais c'est vrai que la bite, c'est pas mal. Non, c'est pas mal. Des formes subjectives sont apparues aux yeux des habitants et visiteurs qui regardaient le ciel de Kissimmee, une ville de Floride proche du fameux Disney Attends. World. Je veux voir les avis. Le ciel à deux fois lors de notre prochain voyage aux États-Unis. Il y a sûrement des images de ça, non? Ouais, je veux des images. Il y a des images de leur Floride. C'est pour un pote, hein, vous inquiétez pas. Deux avions se dessinent des tubs. Voilà. Parce que je suis pas tombé sur un truc porno. C'est possible. Ah ouais, voilà, j'en ai. C'est des gens qui se déguisent en avion. Enfin, c'est. Image. C'est quoi ces gens? Allez, la prochaine. Des terroristes ont recherché des personnes pour un métier en particulier. Pourquoi? Des terroristes? J'adore les dessins. Alors, c'était quoi la question?
Pardon. Des terroristes ont engagé des personnes. Enfin, ils ont fait une recherche. Oh, les flics ont... sont cons. Non, non. Ils ont engagé des personnes pour des cas particuliers chez eux. C'était pour quel genre de situation? Il y a des petits indices ou pas? Putain, le problème, c'est que j'essaie de chercher. Tout ce que je peux te dire, c'est que c'est des profs. Apprendre à. Des profs, des profs d'armes. Ça n'existe pas, mais. Si, si, bah si, ça existe. Bien sûr que si. Ah, des. Ah putain. Mais non, c'est pas ça. Ils ont engagé, ils ont fait une recherche de professeurs pour des terroristes. Putain, qu'est-ce qu'ils auraient pu commander, les cons? Créer des bombes. Des profs, ouais, de physique pour comment se faire exploser. Ah merde. C'est presque ça, mais c'est pas ça. Ok, nice. Parfait. Il y a un des mots qui est bon, mais c'est pas tout à fait la même chose. Quel mot est bon? Ah bah je vais pas le dire, c'est à vous de trouver. C'était le. Voilà, c'est le pronom. C'était le. Là, t'étais parfait, là, c'était nickel. putain. Je vois pas du tout, ça peut être tellement n'importe quoi. Non, c'est pas des profs de déminage. Des profs. C'est pour une activité un peu particulière. Tu vois, un saut de mouton. Tu avais le bon mot. Ça pourrait en faire partie. Des profs de. Je ne sais pas. Aucune idée. Attends, il y avait un troisième avec nous là. Il ne sait plus. Il est mort. Il est décédé. Non, parce qu'il est parti aux toilettes. Ah, ok. Non, fallait pas le dire ça. De pilotage d'avion. Non, des profs de chimie pour fabriquer des bombes. Non, toujours pas. Oh, on l'a déjà dit. Il faut suivre un peu, hein. C'est des. D'accord. Non, j'ai dit physique chimie. Moi. Je suis pas des profs. Mais c'est pas de la. Il y a pas de chimie. Prof de SVT? Non. Sciences vie et de la Terre, ça les correspond bien. Eux. Mais ça en fait partie de ce que apprend ce prof là. Ah, éducation sexuelle. Quoi? Non, je sais pas. Bah, moi, prof de SVT, moi, elle faisait ça. Hein. Mais non, c'est. Qu'est-ce que tu faisais avec ta prof? Oula, tant de choses. Ça fait partie de ce qu'il apprend, mais. Attends, SVT, sciences, vie, terre. Souvent, on les retrouve. Souvent, c'est une matière qu'on n'aime pas beaucoup. Technologie. Non. Je détestais la techno. Je vois pas du tout. Moi, je passe. Je vais essayer de dire juste après, mais je repose la question à Julien. Éducation civique. Non. Il y a le mot éducation, mais il n'y a pas le mot civique. Il y a éducation sportive. Oui. C'est ça? Putain, je suis étonné. Ils ont vraiment des profs de sport pour terroristes en surpoids. La une de ce média en ligne fait froid dans le dos. L'État islamique recherche des profs de fitness pour faire maigrir des djihadistes en surpoids. Un avis de recherche assez insolite et politiquement incorrect. Il y en a un foutre, il va se faire péter le lendemain. Qu'est-ce qui. C'est quoi le projet là? Non, je veux garder ma ligne avant de rejoindre les étoiles, frérot. Je veux les abdos. Putain. Ah, oh, mais les gens sont débiles. Hein. T'es toujours là? Ouais. Ok. Des nounous organisent quelque chose. Mais quoi? Des quoi? T'as dit des quoi? Mais je sais pas, ils organisent des trucs. Des nounous qui mais organisent. Qui ils organisent des nounous. Ils organisent quelque chose aux États-Unis. C'est quoi ça, des nounous? Hein? Ah, des nounous. Ah, ok. Tu vois, c'est genre quelqu'un ou quoi? C'est quoi des nounous? C'est quoi des nounous? Elles ont été arrêtées parce qu'elles ont organisé quelque chose de pas très correct. Ils ont fait projet. Elles mettent des bébés dans l'hexagone.
Ok. Les rassemblements de gosses, ils les font fumer. C'est entre les enfants, mais c'est pas avec. C'est pas dommage, c'était une idée à moi, ça, tiens. Pour plus tard, de mon côté. Pour plus tard, exactement. Si je suis au chômage, bon. Elles ont fait Projet X ? Non. Putain. C'était quoi que j'avais bon ? Tu t'as dit. Bon, y a rien de bon pour l'instant. Ah, nice. Alors, a pas fumé, fait fumer des gros terres, là ? Des gros terres. Elles se sont faites arrêter, mais pourquoi ? Qu'est-ce qu'elles ont organisé qui fait qu'elles se sont fait arrêter ? Des tournois de caisse à savon avec les gosses. Ça se rapproche des tournois, mais c'est pas de caisse à savon. Ah putain. Ils sont tapés Tartiken. Ah ouais. Quoi ? Gros Street Fighter. Ouais, voilà. Street de rue. Ils sont cassés la gueule pour un tournoi. Ils ont cassé la gueule. Ouais, en gros, ils ont des combats de bébés. Ouais. Des combats de bébés. Ils sont qui organisent des batailles d'enfants aux États-Unis. Ouais, bah voilà, hey. Que faire de son temps si ce n'est qu'organiser des combats d'enfants aux États-Unis, des nounous. Vous imaginez avec des petits canifs. C'est une pour organiser des batailles filmées entre jeunes enfants pour faire passer le temps. C'est des génies. Ces nourrices en furie. Je peux faire pareil. Hein. C'est des génies. De ouf. Alors là, elle est forte. Aux USA, elle se marie, mais pas avec n'importe qui. Avec son chien. Non. Qu'un arbre. Non. Avec son hamster. Non. Avec sa mère. Fantôme. Non. Avec elle-même. Elle se marie avec elle-même aux USA. C'est une idée à moi aussi. Je me disais. D'être célibataire, cette jeune américaine décide de se passer la bague au doigt toute seule. Au moins, pas de problème de divorce. On se demande juste comment les autorités gouvernementales en charge des mariages ont accepté la démarche. Comment ça se passe la lune de miel du coup ? Moi ? Comment ça se passe la lune de miel du coup ? La demande c'est est-ce que je veux m'épouser ? Si elle répond non, c'est bizarre quand même. Franchement, il y a un problème. Là, c'est. Faut se remettre en question. C'est aux États-Unis que ça se passe, ça ? Ouais. Ouais, mais c'est normal. Tout est logique au final là-bas. Tout s'excuse. Il n'y a que des trucs fous là-bas. Alors, ici, on a un écolier en Russie qui a fait une grande évasion. Russie. L'école buissonnière. Donc, s'échapper de l'école. Mais d'une façon assez insolite. Comment il a fait ? En deltaplane. Ton micro baisse un peu, s'il te plaît. Ils sont en Russie, moi je dis ça avec un char d'assaut. Ouais, ouais, grave. Mais quoi, j'ai pas suivi, t'as dit quoi ? Un enfant, un écolier, a fait l'école buissonnière, donc il s'est barré de l'école, il a fait le mur. En Russie, d'une façon assez étonnante. Retiens le mot Russie, hein, surtout. Russie, bon. Alors, est-ce qu'il a pris une bouteille de vodka ? J'ai pas précisé. Ah. En parachute. En parachute ? Bah non, ça c'est des fameux murs. Dedans. Voilà, c'est putain, vraiment, À la grenade. En sous-marin. Non. Et quand ça s'est passé, il était en classe. Qu'est-ce qu'il a pu faire, ce con ? Il était en classe, il a... En Russie, surtout, tu t'attends à tout. Tellement c'est des... De ouf. Il est passé par la fenêtre. Par la fenêtre ? Pas passé par... Non, pas par la fenêtre. Par le toit ? Par le... Oh, il est parti en jetpack. Non, pas par le toit. Non. Parti par les conduits. Il n'est pas parti en hélico. C'est pas par les conduits. Mais il est sorti de la classe, au moins, ou... Oui. Par les chiottes. Non. Non, il n'est pas sorti de la salle. Pas par la fenêtre ? Attends, il est pas... Non. Il n'est pas sorti de la salle ? Non. Mais comment il s'est barré s'il a pas quitté la salle ? Oui, il a acheté... jetpack, c'est pas possible ton truc là, attends. Il a acheté une bombe ou quoi ? Non, non. Oh, c'est la prof, qui lui a ouvert la porte. Non. Tout le monde s'est barré sauf lui. Non. Ah, il est parti dans le sol ? Le mec, c'est Prison Break. Il a fait un tunnel. Un tunnel creusé sous la classe pour s'échapper, un des faits divers les plus insolites de Russie. Attends, mais comment il se rend pas compte, le prof, au bout de 10 minutes voilà, de creusage là. Les élèves seront-ils mis en examen ? Vladimir, arrête avec cette pelle, calme-toi, pose cette pelle. Détente.
Marteau piqueur et tout, là. J'imagine. Ils étaient deux pour creuser le trou. C'était organisé et tout, il y avait vraiment un chantier et tout, il y avait des architectes. Ils ont fait quoi la case des papels, hein. Putain, des malades ces Russes. The Electric Cinema, Londres, un cinéma aux salles insolites. Qu'est-ce qu'elles peuvent avoir comme particularité? Elle te fait saigner des oreilles. Non. Ah, le son est sur les fauteuils? Non. Désolé. Oh, elles te font vomir. Non. Ah. Il y a des odeurs dégueulasses qui passent. Non. T'as les sièges massants. Ça se rapproche, mais non. Bah, c'est de la, c'est de la. Ça, c'est cinéma porno ou pas? Non. Non, non, ça, c'est chic. C'est assez chic. Ah, genre t'as un siège en mode, tu peux te coucher dessus, tout genre. On s'en rapproche. Ah, attends, non, si. On a vu, c'est des lits. C'est des lits. Les sièges ou que genre ça bouge et tout, genre. Non. Non. Ah, ça existe déjà. Ça. C'est des lits et les croyants au plafond. Ça existe déjà. Non, non. Attends, j'ai pas capté ce que t'as dit, des lits accrochés au plafond. Bah, ouais, c'est pas des fauteuils, c'est des lits et l'écran est au plafond. Ah, j'ai entendu quelque chose. Des lits. Des lits. Ah, des lits. Alors... Attendez, deux secondes, parce que ça bug. The Electric Cinema, Londres, un cinéma aux salles insolites. C'est dans le quartier de Notting Hills que cet incroyable cinéma a été conçu avec ses 6 lits doubles et 3 sofas XXL. Vous auriez plutôt tendance à vous endormir que profiter de votre séance cinématographique, une avant-première de luxe. Pas mal. Je vais essayer de vous montrer un peu... À quoi ça ressemble si jamais... Ouais, moi j'aime bien. Hop, voilà. Voilà, ça ressemble à ça. Ah putain, pardon. C'est merci les pubs. Mais c'est ma chambre en fait, c'est pas possible. C'est pas ce bordel. Ah, ça c'est moi, salut. En Belgique, on a des fauteuils, les fauteuils un peu plus haut là. En Belgique, on a deux rangées comme ça nous au cinéma. Ah ouais, carrément. Ah ouais. Les places coûtent une blade, mais tu peux y avoir accès. Ouais, en France, il y a une salle OCS. Là. C'est... Non, pas OCS, IMAX. Il y a des IMAX. Canapés et tout. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que là, c'est un peu... Vous avez vu la taille du sofa, s'il te plaît? T'es goûté fait de vie, hein. J'imagine trop les gens se battre. C'est les gens qui se battent. Tu viens avec la couverture et tout. Tu peux faire une soirée dessus, hein. D'habitude, tout le monde se bat pour aller au fond. Non, là, tu seras devant. Je veux aller devant. Par contre, il y a 90% des gens qui dorment ici. Hein. Ils rentrent plus chez eux. Tu te réveilles, il fait jour. C'est ça. Putain, putain. Ah, ça, c'est bien pour les marathons. En tout cas, ils passent tous les Harry Potter. Ouais, oh là là. On prend ce siège-là. Tout Harry Potter, tous les Star Wars. Même le dernier, d'ailleurs. Le dernier. Ouais, le dernier, tu dors. Ouais, le dernier, putain. 50 millions de degrés avec 25 degrés de la salle. Ouais, bah là, ouais. Ça... C'est un peu je pense qu'on connaît la suite, hein. On connaît la fin. Ça finit pas par dormir. Exactement. Oh, ça dépend. Il y en a qui prient. Ça, c'est énorme. Oh, putain. Enfin, voilà. Bon. Bah, je pense que on est pas mal. Il va être 3 heures. Ouais, hein. On a fait le tour. 2 heures. Hein. C'est passé vite en vrai. Ouais, c'est pas mal. C'est vrai que. Mais encore, je pense qu'on pourrait presque continuer. Ouais. Je sais pas. Mais c'est pas le but non plus. Hein. Il faut mettre un peu de frein et comme ça, la semaine prochaine, hop, ils sont tellement hype. C'est ça. C'est exactement ça. Bon. Tellement content. Que d'aventure. Que d'aventure, j'avoue. Coupe un peu ton micro, là, c'est chiant. Ok, pas de problème. Cut. Non, mais en allez, vrai... C'est un plaisir, hein. Non, mais au pire, attends, viens, je te passe un micro. Alors, Flo 0008. Bienvenue sur le live. Merci. Salut. À toi. Bon, alors, qu'est-ce que vous avez pensé de cette première version? Il veut te proposer quelque chose, il a dit. Qui ça? Ah oui, salut, je peux... Vas-y. On t'écoute.
En fait, c'est le mec, c'est le coiffeur, il te propose une petite coupe. Ah, si tu veux, je fais des coupes au couteau, j'ai 22 euros. Ah, putain. Merci Flo 0000. Désolé, je comprends si tu n'aimes pas ce genre de message, mais tu chercherais pas un graphiste pour faire des emotes ou des overlays. Non, merci. C'est très gentil de ta part de te proposer. Mais comme tu peux le voir, du coup, on a déjà tout ce qu'il nous faut en termes de graphisme. On peut faire le nécessaire. Mais merci quand même de proposer. Je voudrais quand même qu'on fasse un petit peu de comment ça s'appelle ? Un petit bilan, on va dire. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette soirée qui est... bah, franchement, c'était pas, cool, non, c'était pas mal. Une première, c'était vraiment pas mal. Il faudrait que Disney se mette en collaboration avec le coiffeur là, qui crée vraiment une... Putain, carrément. Et qui mette un truc sur Fortnite. C'est incroyable. Merci. Genre, ah ouais, il va carrément couper les cheveux avec une pioche. Genre. Ça, c'est du cul sec hein, pour toi. Ça, c'est du cul ouais. sec. Hey, t'as vu ça? Très classe. sinon, tu chercherais pas un coiffeur? Ah bah, okay. C'est prévu. C'est prévu, là, dans la semaine. Non, mais alors, non, stop. Attends, parce que moi aussi, j'ai des points au final. J'ai plein d'abord. Non, mais, stop. Gardez vos points. Il y a des défis communautaires qui vont arriver d'ici peu. Et des bons défis communautaires. Gardez vos points. Non, mais je vais vous les rembourser, de toute façon. Ah, on peut en rembourser, putain, c'est génial ça. Bah oui, on peut les rembourser. Mais j'ai plus rien à boire. Oh, il y a un mec qui n'a pas parlé de la soirée, mais il a voulu que tu bois. Le T2x56, on sait pas d'où il sort, mais. C'est un animateur en plus. En la plus. TV. Putain, oh. Il a juste voulu que tu bois. Oh, il a pris la bouteille maintenant, c'est bon, on y va au goulot. Me fais pas rire, tête de cul. Putain. Dommage que j'ai pas assez pour le monde à l'envers. Oui. Dois barrer la bouteille en poirier. Ouais, après on a pas dit que bon. En vrai, techniquement, je suis largement capable de vider la bouteille, mais j'ai pas envie de mourir, tu vois. Ah ouais, putain, moi non. Non, je l'ai déjà fait. Coca est possible. Oh, le coca, ouais, si le gâteau fait... là dans le nez. S'il y en a un qui fait, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Attention, ça peut vite arriver ce genre de truc. Les points. Pour combien? Pour combien que... Non, allez hop, moi c'est la fin du stream. Mais non, allez, pour combien je vide la bouteille? Pour combien? Alors on part en quoi là? En argent. Ah, moi c'est toujours l'argent. Les sous. On parle en sub par exemple. Deux euros. Je sais pas, le sub ou... Ah, soyez plus généreux quand même. Le gars, il va techniquement se détruire le foie. On parle d'une mort certaine sub. Quand même. Bah moi je dis c'est les viewers qui décident. Hein. Ouais, il y a encore des viewers. Hein. Ouais, c'était la limite, c'était bien, 10, hein, putain. 1000 balles, ouais, bon après, non, faut pas abuser non plus. Non. Partager en deux, 500 balles non plus. Tu les as peut-être ? On va partager en 1000, ça va être très très bien. Pour combien tu vas chercher des ciseaux et tu coupes tout ? Non. Bah non, bah tu veux jouer ou tu veux pas jouer ? Faut savoir. Allez. Non, mais je me pète le foie. Quoi, mais... Non. Je me pète le foie. En vrai, venez. 3 subs. Ça fait combien ça ? C'est beaucoup. Même 5. Attends, non, c'est comment que ça fonctionne déjà ? C'était 15 balles. Ça fait 15 balles. Sauf si tu prends des tiers 3. Ah, c'est pas précisé. Ah, mais j'ai pas précisé. Ça peut être 3 subs à 15 euros. D'ailleurs, bah, déjà, il y a un mec, Kryzen, qui a un Prime. Il y a Manager qui a un Prime. Il est déjà used, le mien. Non, ah, mais pas les Prime, ça compte pas. Ah, il veut du vrai argent, lui. On rigole pas, nous. Attends, quoi? Mais ah oui, Prime, oui, mais il l'a pas mis sur le nous, le Prime. Non, moi j'ai déjà eu. Allez, faites pas les radins, ouais. Moi le Prime, moi le sub, moi je suis chaud. Y'a aucun problème. J'en ai mettre, c'est vrai que le Prime, si on arrive à 5 subs, là dans les minutes qui arrivent, si on arrive à 5 subs. Mais les petits, hein, même des petits, mais...
Là, je suis en train de me dire que je suis en train de faire une grosse connerie quand même, je vais mourir. Il y a des chances que j'ai mal au ventre après un abonnement de niveau 1. Il en manque plus que 4. Allez, Kryzen, joue. Moi, c'est fait. Ah, moi, je suis déjà payé tacos, là. Ça compte pas, ouais. Comment ça compte pas? Ça peut 12 balles? Ouais, mais hey, c'est de l'argent qui retourne dans l'association, là, c'est pas pareil. Bah, t'as qu'à donner des tenders à l'association. Ils ont de ma gueule. Moi, c'est salaud. Fait. Ça y est, je suis à découvert grâce à ça. C'est un plaisir. Wow. Allez, 3. Juste 3. Au troisième sub. Bonsoir, salut Elva Girls. Salut Elva Girls. Le boubou, est-ce qu'il va jouer? Est-ce que tu joues? Je peux aller faire un petit tour au petit coin là? J'ai passé mon sub, je peux. On attend les deux prochains subs. Je passe par la toilette. J'explique pour ceux qui viennent d'arriver. Encore deux subs et je dois me vider ceci dans le ventre. Je précise dans le ventre quand même. Parce que tu te vis d'ailleurs. Ah bah je risque de pleurer quand même. Comment vous allez tout le monde? Bah on va très bien, on est en train de terminer notre émission. Allez les gars, il en reste plus que deux là. Deux subs. Y'a pas qu'un cas qui a une carte bleue. C'est combien de litres? Bah étant donné que j'ai déjà bu le reste il y a pas longtemps, il reste un litre. Il y a un litre là. Il manque juste deux petits subs. Mais pas des primes, hein. Des vrais subs. Mais ça change rien. C'est 4 euros. Hein, ça change rien que ce soit prime ou sub. Si. Ah si. Non, y a plus de différence maintenant. Ah si. Ah non. Bah je peux te le garantir, moi je le vois dans les statistiques alors. Ah non, je te promets que non. Bah moi je peux te dire que le prime. Ça va à un litre. Ouais mais il manque juste deux subs. Kiro il a payé le premier. Le boubou. J'ai plus de carte Visa, moi je me suis fait pirater. Dur. PayPal. PayPal, ça fait. J'ai pas de PayPal. Il était que tu piratais, tu gagnes quand même. 5 euros le litre. Ouais, c'est à peu près ça. Hein. Ouais, plus de 10 balles du coup. Espèce d'escroc. Comment s'est passée cette émission? Elle était super bien. En tout cas, pour ma part, ça a été super bien. Je sais pas vous. Non, très bien, très bien. Bon, après, il y a des petites améliorations à faire aussi. On a eu un petit peu de mal au début. Toi, tu grattes plus que l'enfant que j'ai dans ma cave. Au secours, appelez la police. Ouais, mais la différence, c'est que je gratte pas pour mon compte personnel. C'est pour l'association. C'est pas pareil. Ça retourne dans la télé après. C'est pouvoir améliorer ce genre d'émission. Un marchand de tapis. Hey, je fais des études de vendeur. Je passe un CAP de vendeur. C'est pas pour rien. Hein. Pas cher. Pas cher. L'association des enfants dans les caves. L'association Gravity Sport, s'il vous plaît. Un minimum de respect. D'ailleurs, on vous a même pas mis les commandes. Genre, si vous voulez, vous pouvez faire ça, par exemple. Actuellement, vous pouvez faire ça. Ok, ça n'a pas marché, j'adore quand ça marche pas. Trop génial, ça ne marche pas. Ça va pas? Ouais, les commandes, elles marchent pas. Je les ai essayé tout à l'heure et là, ça marche plus. Bon, on a atteint les 5 subs ou pas là? Non, toujours pas. Même les 3, ils y sont toujours pas. Oh putain hein. Oh là, sur le chat, là, on se réveille et on donne de l'argent, là, c'est pour... Ah non, je sais pas, mon... C'est pour de la contribution. Bon, je regarderai ça plus tard. Ça va pas. T'inquiète. Je mange une madeleine en attendant. C'est pas grave. Un marchand de tapis. Un tapis, c'est moins cher. Salaud. Bon, hop. Putain, c'est con. Y'a qu'un seul sub. Plus qu'un sub, les gars. On est 9. Vous allez me dire que sur 9, il n'y a pas un qui a 5 balles dans le compte en banque et qui veut pas donner 5 balles à un mec qui s'acharne pendant 6 ans. Il essaie de vivre de sa putain de passion et que vous êtes dans votre petit coin et vous voulez pas. Non ? Ok. Moi, je trouve ça affligeant. Surtout manager YZ, franchement. Le mec est milliardaire. Ah, dommage. Oh, t'as pas le droit. Alors c'est très simple. Tu nous envoies ta carte de crédit recto verso. On s'occupe de tout. Envoie ton numéro de carte au 3612.
Prends l'action de dire si tu vas devenir riche. Exactement. Vous êtes pauvre. Eh, hey, papa et maman, ils font dodo. Vas-y, c'est bon, t'inquiète, tu peux. Non, c'est non, ça. Non, stop, ça va arrêter vos conneries. Après, je vais avoir des problèmes. Je suis mort. On va être dans la merde, on va finir en prison alors qu'on a fait qu'un épisode. Ça tourne mal. Sinon, on passe en privé et je leur fais ce que tu veux. Et je leur fais ce que tu veux. Lui, c'est un génie. Arnaque plus plus. Putain, c'est dommage. Sur le prochain stream, peut-être. Regardez, en plus. J'avais soif. Après, tu peux boire par plaisir aussi. Il n'y a pas de problème sur ça. Hop. Attends, je fais. Il y a moyen que je meure. J'ai ma petite pub aussi. Avec mes... Ok, Kiro, tu dois me faire. C'est la team pauvre ici. Putain, on a mal choisi nos viewers, quoi. C'est qui a ramené ça? Je suis désolé, les gars. C'est... On choisit pas tes viewers. Tu sais, la prochaine fois, tu fais un tweet, tu fais. Bon, par contre, ton viewer, vous ramenez que les riches. Exactement. Je mets viewers riches. Moi, je bois toute la bouteille tous les jours et je lui. Il l'a fait payer. Eh, hey, rentabilité. Faut... C'est pour en acheter de frapper, ça. Avec l'argent récolté, j'en ai racheté. Exactement. On rentabilise, on améliore le stream. On achète deux. Oh, la Liquid Esport. Franchement, tu rigoles, mais c'est vraiment une nom d'équipe. Hein, donc, Non, sérieusement la Liquid Esport. Ouais. Il rigole, mais c'est d'accord, l'anecdote vient d'ici. Hein. J'ai vraiment envie de regarder la Liquid Esport. Très, très gros team. Putain, carrément. En plus. Ah ouais, elle est énorme. Ah ouais. Quand je tape ça sur Twitter, Twitter me dit aucun résultat pour Liquid Esport. Y a pas de vrai à Liquid. Ouais. Ça a été une team COD, ça a été une team. Il n'y a toujours pas de résultat. Hein. Ah, mais tu fais pas d'efforts aussi. Bah, je sais pas, il n'y a rien d'écrit. Hein. Une liquide Wikipédia, et hop. La taboule sport. StarCraft, League of Legends, Counter-Strike, Rocket League, Rainbow et Dota 2. Voilà. C'est une énorme. C'est une team... Ah, ça y est, je l'ai. Team League. Ouais, voilà, c'est mieux. Ah ouais, 700 000 followers. Et maintenant, on part sur Taboulé eSport. Alors, du coup, Taboulé eSport. Et après, c'est non, c'est pas possible. Quoi. Il y a vraiment des gens, ils ont. Bah non, ça existe pas, mec. Non, Taboulé, je trouve pas. Non, y a pas. J'espère, parce que putain. Il y a un mec qui s'appelle Taboulé qui parle d'e-sport par contre. À la limite. Il y a un mec. Qui... Exactement. Un... What the fuck? Ah, non, mais... Par contre, alors. Je suis obligé de vous montrer ça, c'est pas possible. Montre-nous. Le FC Chômage. Ah bah on est là, nous. C'est les streamers, les FC Chômage. Ah, non. Oh, moi je suis pas au chômage. Je suis payé. Comme une merde. Là, c'est ça, on travaille enfin... sur le rien. Aïe, aïe, aïe. Ça, hop. Là, voilà. Alors, attendez. Hop. Je vous mets ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok, j'adore. Y a rien qui marche. Bon, ça bug un petit peu, mais c'est pas grave. C'est bon, je l'ai. Parce que j'ai un micro de qualité, peut-être. Non, c'est juste que je suis collé à mon micro. Simplement. On l'entend beaucoup plus que les autres niveau volume. Alors, je veux bien qu'il y ait une casquette Adidas. Hein. Moi, c'est Kyo. Enchanté. Voilà, là, on l'entend plus parce que je vais couper le micro. Normal, il... oui, c'est vrai. Il y a c'est aussi quoi, ça. Il y a de ça aussi. C'est un mélange, c'est un tout. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts un peu? Ouais, on est prêts. Pas trop. Bah, on n'est pas prêts. Qu'est-ce
Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, mais c'est connu ça. C'est ton petit frère, c'est qui? Non, mais j'ai déjà vu ce tweet. Je suis tombé par hasard dessus, je suis mort de rire. T'inquiète, c'est pas un virus, bonne voir. Salut Real Nino TV, comment ça va? Salut. Salut. Eh, si tu veux, lâche ton sub. Je me nique le ventre à coup de coca. T'inquiète, c'est la rue. T'inquiète, c'est pas un virus. Covid. Ah là là. Regarde la vidéo et essaye de ne pas rire. C'est impossible. Tu mets. Putain, comment ça? Les YTP. Oui, les YouTube poop. Putain, ça, tu rigoles pas, franchement, t'es un putain de génie. Les motus et tout, là, les... oh là là, non, je peux pas, moi. Motus. Exactement. Ah si, non, c'est ça que je devais vous montrer aussi. Attends. La vidéo du lien. Alors attends, deux secondes. Quel lien? Quelle vidéo? Quel lien? Ouais, où suis-je? Qui suis-je? Qui suis-je? Mais là, vous êtes tous streamers, hein, en fait? C'est autant. Bon, ici, peu. Je pense que oui, non. Je pense que je l'ai reconnu, du coup. Mais Schauser, c'est ça? Donc, je dise pas de conneries. Schauser. Bah, il est parti tout à l'heure déjà. Ouais, ouais, il était streamer aussi? Oui. Enfin, okay. Un peu vous avez bloqué les liens, je pense. Oui, on les a bloqués. Oh non, enfin, non, non, le... mettez pas les YTP, non. Oh, non. Non, non, mais moi je vais mettre autre chose. Je ok, je vais. Sinon, je meurs de rire. Hein. Je vous le dis. C'est annoncé. Ah, rip. Est-ce que vous n'êtes pas prêt, hein, vraiment ah, les YTP avec les Koh-Lanta aussi, ah ouais. Oh, c'est vrai que ah c'est, ouais, c'est un sacré truc. Ah ouais, mais est-ce que vous entendez le son? Je sais pas si vous entendez le son. Non. Bah nous, on va le voir sur le stream, du coup. Je coupe vos micros juste le temps de... Alors, attendez. Hop. Putain, on nous entend plus. Oui, c'est normal. Deux secondes. C'est génial. Deux secondes. Si on peut dire des agris, ouais. Si on peut insulter les viewers, là, c'est le moment. Ah, ah merde. Chut, deux secondes. La voilà, la tontomobile. Attends. La voilà, la tontomobile. La voilà, qu'est-ce qu'elle fait donc là? Mec, tu fais ta vidéo? Quoi? Ah putain, merde, j'ai oublié. La voilà, la tontomobile. La voilà, qu'est-ce qu'elle fait donc là? La voilà, je sais pas si vous l'avez vu ça. Ouais, j'ai vu. Mais ta gueule, c'est bon, voilà, on a compris. Putain de grenade, une... ouais, insulter les viewers. Pourquoi les viewers? Qui a insulté les viewers? Qui a insulté les viewers? Qui a insulté les viewers? Bah qui? Juste on fait parce qu'il y a rien qui va. C'est Caris. Exactement. C'est Caris. C'est Caris, c'est carré. Bon, Mas, t'étais pas mute. Qui c'est Mas? L'un de vous trois? Aucune idée, non. Ah. Bon, je crois qu'on va s'arrêter là parce que là ça part en couille. C'est bien le mot d'ailleurs. Et là on sort de l'émission, c'est pas correct. C'est pas une belle image de l'émission. Bon, allez, on fait un dernier point et on se laisse là-dessus. Ta gueule. Tu dégages. J'allais le faire. Rappelle-moi de pas te t'avoir invité. Hein. C'est dit. Le boubou. Oui. Qu'as-tu pensé de ta soirée? Non, c'était vraiment, vraiment pas mal. Je crois qu'on pourrait même mettre un peu plus d'actu s'il y a moyen. Ouais, je pense aussi. Non, c'était pas mal. Pour une première, en tout cas, on a bien géré. C'est vrai. J'ai un peu déçu pour Schauser. Ouais, c'est dommage pour lui. Bon, il va régler ça pour la prochaine fois, je suis sûr. On va essayer de régler ça et puis on va essayer de l'aider aussi. Puis
aussi. Je crois que le truc qui pourrait être intéressant aussi, c'est qu'on puisse montrer des trucs, tu vois. Par exemple, toi, si bah, par exemple, l'image de tout à l'heure, toi, la montrer. Bah, le truc, c'est que je sais pas comment je pourrais un faire. Petit peu plutôt en avance. Bah, je peux le faire, mais c'est juste que j'ai déjà tellement de bordel que je voulais pas perdre de temps avec ça. Mais sinon, c'est possible. Dommage qu'on ne s'est envoyé que la cam, tu vois, que OBS Ninja. Si tu peux, tu peux changer. Hein. Tu peux changer, tu peux mettre ton écran à la place. Regarde en bas à droite, normalement, tu as un bouton pour ton écran. Enfin, en bas, là où il y a le micro et tout, normalement, tu peux changer. Ouais, je regarde, attends. Comme moi. Ça ressemble à une petite télé. Ah ouais, écoute, je regarde heureux. Voilà. ok, bah voilà. Après, Kiro, qu'est-ce que t'en as pensé? Ouais. En vrai, c'était bien cool, hein. Je me suis niqué le genou. C'est ce que je veux. Le genou, c'est bien là. Non, moi, c'est la première fois que je fais une émission de genre. Donc, ouais, j'ai bien kiffé. C'était une bonne expérience. En plus, est-ce que tu recommencerais? Bah, carrément, carrément. Bah, avec même plus d'invités, même plus de sujets. Ouais. Alors, et même avec des. Parce que genre 10 invités, c'est compliqué. Un maximum, ouais, un maximum de 6 invités, je pense. Ouais, c'est ça. Comme, ça, m'arrangerait, ça m'arrangerait parce que j'ai que 7 cams. En plus, mais ouais, niveau j'ai régie, tout ça, c'est quand même compliqué à gérer et même préparer plus de questions pour les invités, tout ça pour les chroniqueurs. Chroniqueurs, je veux dire. On peut même inviter des chroniqueurs et des invités, C'est ça. Donc, non, ouais, c'est cool. Si un viewer voulait interagir en vocal, l'inviter, oui, ouais. Aussi, on peut. Et puis, je sais que par exemple, sur Twitter, quand on a fait l'annonce, j'ai quelques contacts. Qui m'ont demandé justement, qui m'ont dit ah bah tiens, moi par exemple, je suis prof d'histoire en université, d'ailleurs Enzo, qui pourrait potentiellement venir parler de 2-3 trucs assez insolites ou intéressants sur sa profession, etc. Poser des questions et tout, ça pourrait être sympa. Donc ouais, il y a de quoi faire, il y a plein de trucs à faire, il y a pas mal de choses assez sympas à faire, je pense. Et puis un peu plus développer tout ça. Notamment au niveau des animations, au niveau du design, des graphiques, tout ça. Ça viendra avec le temps. Ouais, ça viendra. Ça va se faire. Faut nous laisser un peu de temps et je pense que pour une émission qui a été préparée en moins d'une semaine, ça peut le faire. Oui, c'est déjà bien. C'est très très bien même. Donc voilà. Et l'autre, il est encore pissé là ? Il est encore pissé là ? Non, il est toujours là. Il est toujours là. À toi, allez. À toi. Il dort sur son micro, enfin sur son anti-pop. Bah, je vais parler pour lui si vous voulez. Attends, je t'entends plus. Vous l'entendez? Ouais. Moi, je l'entends pas encore. Il a une si belle voix en plus. Vas-y, parle. Vas-y, là, je t'entends. J'ai eu vraiment peur de ce qu'il allait dire. Franchement, c'est merdique. Waouh, nul. La routine, on va dire. Exact, de jouer tout le temps, toujours au même jeu. Ça casse un peu la routine, mais ça fait du bien. Je trouve ça plus sympa, c'est un peu plus d'organisation, puis ça passe un bon moment, puis ça passe vite aussi. Ouais, puis ça attire le monde, on stream ensemble, si on n'est pas chacun de notre côté, c'est beaucoup mieux. Exact. Ouais. Ça peut aussi créer des liens, genre. J'ai Chaser qui me dit qu'il a cassé sa webcam et qu'il l'a acheté. Ah. On n'aura pas de solution pour la semaine prochaine. Oh. Mais sinon, il a réglé le problème de grésillement pour le micro. Bon, un point pour un autre, quoi. Exact. En tout cas, elle sera pas autant... Parce que c'était la cam qui buguait. Il y avait un souci de micro et après, c'était la webcam. Ce que je comprends pas, c'est qu'avant que vous arriviez, ça faisait déjà un quart d'heure, voire une demi-heure qu'on était en discussion et ça allait très bien. Donc c'est de votre faute. C'était vraiment le pire timing. Quoi. Exactement, ouais. C'est de ma faute. Je n'avais qu'à pas rejoindre. Exactement, c'est ta faute, mec. La prochaine fois, je ne viendrai pas. Tout est de ta faute. Non, tu viens. Une émission sans toi, c'est pas drôle. Il faut bien que j'ai quelqu'un pour parler de Fortnite. Exactement. On a le manager qui nous dit c'était cool, GG pour la première. À refaire. Ah, la prochaine fois, tu parles de compétition, je vais t'acheter trop de sujets. Bah, non, je serai là aussi pour contrecarrer, t'inquiète. Je te mets au défi pour la prochaine émission.
tu nous prépares un truc sur Fortnite. Allez, exactement. Mais si tu veux, je t'aide. Je t'accompagne. Ou je te non, mais sérieusement, faire, il peut t'aider après. Si il faut non, mais il n'y a pas de souci. Moi, Fortnite, j'ai joué énormément de beaucoup en compète. Et donc, je peux l'aider, il n'y a pas de problème. Ça va, vous avez. Alors, soit vous le faites pour la semaine prochaine, soit vous le faites pour dans deux semaines. Je vous sais. On va prendre deux semaines, nous. Hein. Mais ça, faites-le sérieusement. Si vous le faites, ah ouais, bah, prends. Attends, t'es chiant, prends plutôt deux ans. Deux ans ? Moi, ouais, je suis chaud. Non, non, ouais, non, deux ans, c'est pas mal. Il n'y a pas de deux ans. On prend une année pour bien se préparer, tu vois. Il n'y a pas, pas de mal. Deux ans. Ouais. Et après, à la fin, je suis. Ah non, désolé, j'ai cours de maths. Exactement. Non, mais les gars, si vous voulez qu'on puisse aller dans un studio propre et tout un jour, va peut-être falloir bouger un peu son cul. Comment ça Attends, il nous engueule là. Ouais, ouais, ouais. Il nous engueule. Ouais, le patron nous engueule. Rodelle, là. Eh, faut bien qu'il y ait un patron un peu, non? C'est vrai, faut bien s'en payer ou hein. C'est vrai, c'est pas faux, c'est pas faux. Paye quoi? Payer. Ah oui, c'est vrai, oui. Du coup, le salaire, qu'est-ce qu'on... En attendant, c'est toi qui gagne des sèmes, là, à boire ton coca, là. C'est vrai que... Alors, franchement, j'ai gagné 3 euros que je peux même pas toucher parce que c'est encore bloqué. C'est vrai. Du coup, c'était rémunéré, hein, cette soirée. Hein. On en parlait tout à l'heure. Ah tiens, prochaine actu, on parle du salaire de coco. Voilà. Est-ce que je peux vous payer en tenders? Ça me va, moi. Vraiment, ça me va très bien. Nickel. Moi aussi. Je connais mon amour pour le poulet. Hein. Hey, au fait, Kiro, tu nous viens d'où? Moi, je viens de Lyon. 15 minutes de Lyon. De Lyon, ok. Dans une petite campagne, mais de toute façon, ça un jour, tu viendras à la maison avec Logan. Est-ce que tu connais Majestic? Non. Non. Je vais être honnête, okay. Non. Je peux mentir. Ok. Bref, c'est un ami à moi qui habite sur Lyon et qui de base habite sur Auxerre. Il revient de temps en temps. Enfin bref, il est connu D'accord. dans le monde de l'e-sport Call of Duty. Alors, redis-moi le nom peut-être. Logan. Majestic. Bah peut-être manager, lui il a été manager du coup sur Call of Duty, peut-être qu'il va connaître. Oui, il a été manager. Mais moi je... Ça me dit rien du tout. Logan Paco. Il est aussi commentateur. Oui, tu dois sûrement connaître d'ailleurs, je pense. Enfin voilà. Mais bref. Non, mais par contre, ce qui serait sympa, c'est que d'ici quelques temps, on se fasse un truc et qu'on soit tous ensemble. Attends, Auxerre, c'est où ça? Bah, c'est dans Lyon. Ah ouais? Ouais. Putain, je connais même pas ma carte de France, c'est incroyable. D'être comme ça. Bon, qu'est-ce que vous en pensez là tous ensemble? Ça pourrait être sympa qu'on puisse ça peut être sympa. Réunir. Quitte à ce qu'on voie pour au pire des cas, soit organiser un truc chez moi, soit organiser un truc de genre à Paris, dans une, on loue une petite salle, un peu genre tu sais les bars ou les trucs comme ça. Un hôtel genre 5 étoiles. Ouais, j'ai encore mieux. Moi c'est devant. J'ai encore mieux. Dans la salle Disney. Disney mais voilà. Loser. Mais voilà, exactement. On fera des combats de sabre. On appellera le coiffeur. C'est génial. À coup de maître. C'est génial. Personne n'invite le coiffeur. Exactement. Il nous fait des petites coupes avant les combats. Voilà. Après, on invite les nièces là qui font des combats d'enfants. Ça on a droit à une perte, tu vois. Du coup, au pire des cas, il y en a rien qui brûle. On a un business. Sur Discord avec la PS5. Exactement. Et on joue à Fortnite, bah pas sur mobile du coup. Et on peut pas acheter de webbug parce que c'est trop cher. Voilà. C'est parfait. On a intérêt à gagner une compétition du coup. Tant qu'à faire. Ouais. Ah, il faudra aussi inviter le mec de The Witcher là qui se fait poursuivre. Je sais plus quoi. Il va me harceler. Je vais vous harceler. Exactement. Et puis bah voilà. Non, mais en vrai, ça peut être sympa. Ça peut être pas mal. Ah, y réfléchir. Qu'est-ce que t'en penses, le boubou? Moi, je te promets parce que ça va être un peu chaud, à mon avis. Non, mais on prépare en avance, quand même. Mais ouais, on pourra voir. Mec, tu vas pas me faire chier. Je vais aller en vacances à Dunkerque. Tu vas prendre un train de Bruxelles direction Dunkerque. Déjà, je vis pas à Bruxelles. Tu vas de Liège jusqu'à Dunkerque. Je te récupère à Dunkerque et on descend ici. Ok. Voilà. T'as pas le choix en fait. J'ai pas le choix. En conséquence. Oui, madame. Je te récupère à la frontière sinon... parce que le bus il va à la frontière. Sinon, on va te poursuivre parce que t'as habité plein phare. Mais écoute, on va d'organiser un truc. On verra. Non, mais ça peut être sympa, même si c'est sur Paris pour que ce soit plus facile pour tout le monde. Comme ça, on essaye de faire l'émission, mais genre en physique et tout. Tu vois.
Mais on a là, ça pourrait, être, ça pourrait être pas mal. Déjà, faut qu'on arrive à tenir tous les mardis. C'est vrai, avoir toujours des trucs, des sujets. Bah, ça encore, ça va parce que heureusement, merci Internet. Il y a plein de trucs. Oui. Il y a ce qu'il faut. Autant, ouais, faut quand même tenir tous les mardis. Tout à l'heure, j'ai mademoiselle, elle a vu l'affiche, elle fait comme ça, tous les mardis. Genre en mode tous les mardis, vraiment. Elle a été étonnée aussi. Elle était en mode attends quoi. Elle est sur le chat. Elle est partie se coucher. Il y a un petit... Non, mais elle offre même pas un sub. Non, mais c'était notre cinquième sub là. C'est pas possible. C'était elle en fait. Judas, bah, parjure. Judas. Aïe aïe aïe. Ouais. Non, c'était bien. Non, cool. Elle soutient déjà beaucoup. Hein. C'est pas con. Non, c'est bon, j'ai pas envie d'en parler. Enfin, voilà. Bon, non, franchement, personnellement, coupe ton micro, mec. Pourquoi je m'entends encore en écho? C'est chiant. Hein. Ouais. En soi, ça a été bien. Je pense qu'on a validé pas mal d'objectifs quand même. Oh, Kiro sans lunettes. Ouais, c'est fait bizarre. Hein. Ouais, bah, tiens, regarde. Moi, normalement, on a l'habitude de me voir sans lunettes. On me voit avec des lunettes. Et là, je vois pas lunettes. Ce que ça fait, tu vois. Moi, je trouve que ça fait rien du tout, tu vois. Bah toi, si ça te fait quelque chose. Moi, ça fait rien parce que de base, j'ai pas de lunettes. Ça fait même pas 2 semaines. Mais moi, à la base, j'en ai pas non plus. Hein. C'est des trucs de... Non, je suis comme ça. C'est juste ça que... Fait pas beau, hein. C'est mieux. Ah, merci. Bah, c'est un peu plus de... Mais ouais. Ouais, les hommes à lunettes... Attends, non, je vais pas terminer ma phrase. J'arrive pas à cadrer. J'ai un peu... Je veux pas terminer ma phrase. Je crois que je me suis trompé de mot. 30 ans. Ouais. T'abuses. Sérieusement? Sérieusement? 30 ans, 2 enfants et 1 divorce. Quel bâtard. Bah, j'ai presque tout, on va dire, hein, sauf les enfants. Je crois qu'il y a un 2e divorce qui va être fait là, non? Dans le quart d'heure. Salaud. Je crois qu'il faut peut-être le stream parce que là, faut vraiment. Couper! Non, en vrai, Kiro, tu me donnes quel âge? Parce que je crois pas que tu saches mon âge, toi. Je dirais... Attends, bah du coup, ça m'aide vachement, là. Attends. 23 ans, je dirais. 23 ans. Le boubou, tu dis quel âge, toi? Je sais pas si tu sais. Si, je le sais, moi. Tu le sais? Bon, alors, dis rien. Ouais. Bah toi, tu le sais, c'est pas drôle. Est-ce qu'il y a encore des gens dans le chat? Essaye de deviner pour voir. Je veux juste voir. Ferme ta gueule, tu sais quel âge j'ai, toi, salaud. Hop, spoiler. Putain, manager, one shot, bien joué. Et du Et coup, moi, vous pensez que j'ai quel âge? Sans les lunettes, 27 ans? Non, je dirais, ouais, 17, hein, du coup, là. 17 ans? Je me sens offensé, là. Non, bah, le même âge. Hein. Même âge. 12. Ah. Mais quel salaud! Non, j'ai pas 12 ans! Moi, vous pensez que j'ai quel âge? Il y en a beaucoup. J'en ai qui que 8. Sur mon compte. Toutes les personnes que j'ai croisées, ils sont trompés sur mon âge. Ouais, ça va, frérot. Ouais. C'est blessant, là. 19 ans? Ouais. 23. Et toi, le boulet pour moi, tu penses? Non, moi je dirais plus, dans, entre 28 et 30. Ah ouais? Non, il est pas aussi non, ça. 21 ans. Je les ai dans 2 semaines, les 22 ans. Ah, bah on va les citer alors. Exactement. Et bah moi j'ai 19. Bah toi, avec le dessin, je dirais. Il a quel âge? Non, avec la voix, je pense que t'as 24.
et tu as 8 ans. Ouais, détendez-vous. Moi aussi, je peux prendre une. Ouais. Ladies, and... attends, merde, c'est pas le bon micro. Trop fort, manager. Hein. Oh là là. Ouais, bah moi aussi, je peux prendre une voix grave. Hein. Y a quoi Mais si, dis-moi. Comment ça, je suis pas crédible? Ça tire à balles réelles, j'ai l'impression. Là. Ladies and gentlemen, bienvenue à bord du vol A380. Je crois qu'il y en a un qui s'amuse avec. Ouais. Ah putain. Non mais en vrai, j'ai que 19 ans. J'ai créé l'association, j'avais 16 ans. Putain. Ça remonte, hein. Oh. Ouais. Enfin, déjà, là, tu écoules les 2 ans là, qui sont passés à une vitesse folle. Oh, c'est clair. Bon, bah mes lunettes elles sont explosées. Bon, déjà, on n'est pas sorti pendant un an. Ouais. Ah, c'était merde. Hein. C'est clair. Bon, merde. Allez, va falloir qu'on arrête cette émission là parce que. Ah, il faut que je vous lèche. Hein. C'est pas très. On connaît la suite. En train de se pencher. Non, mais là, c'est bon, c'est bon, mais... en couille. C'est plus l'émission qu'on est censé faire. C'est pas normal. Bah, c'était bien cool. Bon. Et quelle heure, minuit là non, bientôt, bientôt, bientôt. Bientôt non, en vrai, on a quand même bien bossé, je pense. Ce qui a été le plus. Et toi, si t'avais un point négatif, Kiro, ce serait lequel? Oh, je cherche, mais. Il y en a dans le chat, ils vont trouver pour moi, là. Ils vont être plus rapides que moi. Mais sur moi, sur mon physique, sur ce que je fais YouTube, tout ça ou... Non, je parlais de l'émission. Ça va Albata, il y en a... Sur l'émission Le point négatif, Kiro. Tu es le maillon faible. Tu es le maillon faible, yes. Je dirais... putain, là, tu m'as pris au dépourvu, là. Faut que je comble, parce que du coup, je cherche. Il faut que je réfléchisse en même temps. Sur l'émission, qu'est-ce qui t'a... Sur l'émission... Plus, porté négatif ou... Qu'est-ce que tu... Bah en fait, moi, je l'ai vécu, du coup, en vrai, moi, je l'ai tellement bien vécu que j'ai kiffé. Après, en étant Red Viewer, c'est pas pareil, du coup, parce que voilà, t'es moins dans... De toute façon, je pense que moi, je vais regarder le replay juste pour voir déjà ce qui... Ouais, j'ai regardé la rediff. Déjà, moi, je sais que si j'ai un point négatif... Ah, coupe ton micro si tu parles pas. Putain. C'est chiant, je m'entends. Ouais. Ça, c'est un point négatif, ça. Changer ton putain de micro. Tu me saoules. Non, en vrai, bon, l'écho, le problème du fait que Chauser n'a pas pu terminer l'émission. Pour que ça soit plus fluide, peut-être. Plus fluide. Plus fluide. Ouais, plus fluide. Plus avec un échange, tu sais, entre le chroniqueur principal et les autres chroniqueurs, tu sais, qu'il y a question-réponse, que ce soit plus, tu sais, c'est limite. Oui, c'est vrai que des fois, il y avait des blancs. Ouais, il y a des petits couacs, tu vois. Genre, limite, tu te poses, t'es comme si t'étais en famille, et c'est comme si t'étais en repas de famille, et toi, il y a un échange, tu vois, en 2 secondes, il n'y a pas de blanc, il n'y a rien. C'est ça. Après, ce qui est, en fait, je pense que ce qui fait ça, c'est le fait qu'on ne soit pas là physiquement. Parce qu'on aurait été présents tous ensemble, je pense qu'il n'y aurait pas eu ça. Non, mais sérieusement, coupe ton micro. Merci. Quand on serait en physique, les uns à côté des autres, comme une radio ou autre, je pense que ça aurait été un peu plus différent. Peut-être. Parce que des fois, tu vois, il y avait des blancs, parce que moi, je cherchais les trucs, j'étais en train de faire la régie, donc c'était un peu plus compliqué. Le fait qu'on soit pas en physique, du coup on peut pas se voir, par exemple bah tout à l'heure tu vois des fois on remarquait quand t'étais sur le téléphone ou les trucs comme ça, enfin c'est quand on est présent physiquement c'est un peu plus différent, là on est à distance, on est juste devant la caméra donc c'est plus difficile, malgré que ça va encore, ça passe, mais c'est vrai que c'est pas pareil. Mais sinon, oui, après, c'est les premières fois. Et puis, c'est la première fois qu'on se rencontrait tous. Enfin, voilà. Pour ma part, que je vous voyais tous. Et de toute façon, le feeling a bien passé. Donc, c'est ça. Donc, y a aucun problème. Le truc que je vais essayer de voir si j'arrive à faire quelque chose, moi, mais ça va être compliqué, ça va prendre du temps à mettre en place. Ce serait faire un peu comme Underscore. C'est pas une régie automatique, mais au niveau du changement des scènes, donc passer d'une cam à une autre.
Si tu veux, il a expliqué sur un des lives d'ailleurs comment il y a un petit robot, donc c'est juste des quelques lignes de code, passe d'une scène à une autre. Donc ça change les scènes tout seul en fonction de du qui son. Parle tout ça. Ouais. Voilà, c'est en fonction du micro et c'est super bien fait, super bien géré. Ou alors après, bah, faudrait une personne qui fasse tout le boulot à ma place, quoi. Un ingé son. Un ingé, bah c'est ça. Ouais. Un régisseur. Un régisseur. Un régisseur. Parce que de base, pour cette émission de ce soir, je devais pas être animateur. Ah, tu devais être que dans la régie. C'est ça. Mais ça a changé et bon, c'est pas plus mal, mais voilà. Bah, ça a été un défi en plus. Ça a été un défi en plus. Moi, s'il y a des gens encore sur le chat, je veux des GG pour notre cher ami qui a quand même bien animé la soirée. Donc, bah, mettez vous aussi, des vous aussi. Tout seul n'aurait pas été la même chose. Je veux quelques GG. Merci pour merci Razorbro pour le fond. Voilà, merci, ça c'est bien les gars. Force, la force. Pas très bien. Merci. Alors Jules non, alors Jules non, on va éviter par contre. Voilà. Mais non, mais on va s'améliorer, on va. Après c'est autre chose, mais sur Zoom, il y a ça, quand tu parles, ta caméra se met automatiquement sur l'écran. On va regarder. On peut toujours essayer. Merci Mister, Mister pour le follow. Mister oh, Bold. Bold. Merci à vous. Comment il va ? On est sur la fin d'émission, on arrive à gagner des follows. C'est pas fou, ça. Merci beaucoup pour les follows. Merci beaucoup. Par contre, c'est drôle parce que du coup, c'est vrai que j'avais pas pensé que j'avais pas mis l'animation d'alerte. En fin de compte, je me dis que c'est pas plus mal parce que ça aurait peut-être caché un petit peu l'émission. Parce que c'est quand même une danse de cul. Ah, c'est une danse de cul. Ah, moi je veux l'avoir. Ouais, tu peux aller voir sur l'érudif. Non, mais c'est surtout que. Non, mais ouais, non, mais la danse du cul sur l'émission, je pense que ça aurait fait un peu bête. Je vais voir. Tu l'as fort tout petit sur le côté. Pas non, alors, que... Ou alors, non, j'ai une meilleure idée. J'ai une meilleure idée. Tu nous l'as fait IRL avec ta caméra. Moi, non. Je suis chaud. Non, non, avec les 3-4 subs que tu as gagné, moi, je pense que ça vaut le coup. voilà, je suis désolé. Donc, Non, mais en vrai, je pense que. Comment dire. Le mieux, ce sera de voir un peu comme. Tu sais, de faire comme les. Comment ça s'appelle ? Les animations de texte, là, le boubou. Mais avec. Le nombre de les derniers follow et tout ça, tu vois ce que je veux dire? Ouais, non. Écoute, on en parlera après. ouais, non mais tu sais, d'habitude on écrit dernier follower, tu sais, il y a écrit le dernier follower, ou bah même l'animation. Ouais, tu sais l'avoir, tu sais l'avoir, faire sous forme de texte animé, quoi. Propre. Ouais, moyen, je pense. On peut faire ça, mais on verra, de toute façon, c'est pas une priorité, là, c'était pas le but de l'émission, c'est pas le but principal. Ce sera cool, ce sera trop bien la semaine prochaine. Je vous tease. Juste pour information, depuis qu'on prépare l'émission et donc avec la soirée de ce soir, ça a apporté 17 followers. C'est parfait. Voilà. C'est parfait. Est-ce que vous voulez un petit peu de statistiques et après on va commencer à se laisser réellement? Bah moi, ou alors si tu veux, on peut le faire en off, hein, y a aucun problème. Ouais, bah ouais. Juste pour voir juste envie de voir le nombre de personnes qu'on a été ce soir. On a été peut-être une trentaine en tout, je dirais. Avec une moyenne de 6, même plus. Non, je pourrais avoir la moyenne, mais la vie, c'était 9-10. Oh ouais, c'était vraiment okay. Plus. Alors, en moyenne, on a une grosse moyenne quand même. On a une moyenne de 9. Ouais, c'est beaucoup. Alors, c'est marrant parce que ceux qui connaissent pas Twitch, pour eux, c'est que dalle, tu vois. Et toi, t'es content, t'es à 9, t'es putain, mais oh là là, mais demain, je suis à 20. Bah, franchement, pour un lancement de truc, ouais, ça passe. On a eu 50 spectateurs uniques. Ce qui est pas mal. 50. Aussi. Ouais. Et au maximum, on a eu 17 spectateurs d'un coup. C'est bon, on a quand c'est même pas mal. 20, personnes qu'on... 20 personnes uniques. C'est mon record aussi sur ma chaîne, 17. C'est beau. C'est voilà. C'est, beau, c'est bien. Beau. Plus les follow. Mais sur la rediff, il y aura des centaines de vues, tu verras. C'est possible. Non, mais c'est sûr. C'est sûrement, c'est ça. Moi, ça me le fait souvent. Quand tu dépasses les 20 viewers, généralement, c'est la rediff est quand même bien regardée. Là, je ne sais pas comment d'ailleurs tu tombes sur une rediff, mais. Bah, pareil, je sais pas comment ils font pour tomber sur des rediffs.
Ouais, parce après, que déjà moi, tomber sur le live, c'est quand même chaud. Parce que ouais, c'est ça, énormément de personnes. Mais... Moi, je sais que déjà, je vais essayer de mettre un peu la rediff en avant sur le site. Puis même juste l'émission complète. On va essayer d'organiser ça. Ça va prendre un peu de temps aussi, mais on va essayer de bosser dessus. Franchement, il va falloir qu'on travaille tous. Hein. Oui, chef. Ouais. Oui, patron. Non, on appelle pas chef. J'aime oui, patron. Pas. Oui, patron, non plus. Bon allez, non sincèrement, allez, on va devoir se laisser là-dessus parce que bon. Oh, j'ai un mot, un dernier mot pour tout le monde. Allez, un dernier mot. Tout ça. Kiro, tu commences. Oh, merde. Bah, écoute, merci pour tous les follow, merci pour les subs, merci de m'avoir invité aussi, c'était bien cool. Bah, j'espère que tu reviendras. Merci. Mais carrément. Si t'as le temps, tu reviens tous les mardis soirs. Avec grand plaisir. Pas la semaine prochaine, parce que non, du coup, mais je pars en vacances. Ouais, bah, mais après on s'arrange. Ouais, de toute façon. Mais en vrai, si tu peux venir le plus souvent possible, ça serait pas mal, parce que je pense qu'on passe quand même un bon moment. Et puis, ouais, moi j'ai bien kiffé. J'ai bien kiffé, avec plaisir. Merci pour toute la force du chat. Merci pour être resté aussi tard et aussi longtemps, parce que 3 heures d'émission à rester sur des petits streamers, entre guillemets, c'est quand même rare. Donc merci beaucoup. Et merci aux invités, merci aux streamers qui étaient avec nous. Et puis, voilà, à refaire. C'est ça. Le boubou. Ben, je crois que Kiro a déjà tout dit. Merci. Désolé, je suis désolé. Mais non, merci beaucoup pour les follow. Merci au chat. Donc, je vois qu'il y avait pas mal de nouvelles personnes, donc ça fait toujours plaisir. C'est ça. Tout ce que je peux vous dire, ben, c'est à mardi prochain. Quoi. Merci Oran. Hey, salut les gars. Putain, il y a encore des gens qui habillent. Oh putain, il y a du monde. Et du coup, là, tu n'as jamais s'arrêter, tu sais. Par contre, moi, je vais devoir vous laisser. Je vais pas trop tarder. 32 GG. Putain, salut les gars. Non, vous abusez. C'est pas le moment pour venir, là. Non, mais en vrai, merci beaucoup. Merci d'être passé. Merci à tous. Sinon, ce qu'on peut peut-être dire aussi, je sais pas s'il y en a qui stream la semaine. Pour leur faire un peu de pub. Ah oui, c'est vrai. Bah, allez, pour combler les trous, je sais pas. Kiro, tu stream quand cette semaine? Moi, je stream tous les jours. ouais. Tous les jours. Je suis à fond, sauf les week-ends. Et entre souvent la soirée, donc à partir de 21h, pardon. Tous les jours, à partir de 21h, retrouvez-moi sur Twitch, Kiro TV. Enfin, Kiro / TV, pardon. Et je fais quelques vidéos, si ça vous intéresse, sur YouTube. C'est Kiro, K-I-I-R-O. En dehors des jeux, je pense que ça intéresserait plus d'un, donc avec plaisir que je vous y retrouverai, tout simplement. C'est ça, et puis notamment ta chaîne YouTube aussi. Ouais, enfin j'ai même deux chaînes, j'ai la secondaire et enfin, c'est mieux la principale, parce que la secondaire c'est plus le gameplay, et pour moi sur YouTube, tout ce qui est jeu, bah, malheureusement c'est fini, je pense. Mais sur la principale, c'est plus... des story time plus ah bah voilà, vous avez l'image, c'est incroyable. Voilà, vous avez une magnifique bannière qui a été faite par une illustratrice. Donc je vous invite à aller découvrir, même si vous connaissez pas et vous c'est pas trop votre contenu, pardon. Allez checker, me dites-moi si ça vous intéresse ou pas, s'il y a des choses à améliorer. C'est avec grand plaisir que je vous écouterai, tout simplement. Voilà. Le boubou, si tu veux faire ta publicité. Alors, moi, je stream samedi soir à 21h. Prochain stream. Et j'ai également aussi une chaîne YouTube, Le Boulet Liégeois. Donc, c'est exactement le même prénom partout. Et là, normalement, je vais sortir une vidéo demain ou après. À mon avis, plus après-demain, sur un tuto en plus pour faire du multigaming, mais faire du multistream. Donc, si ça vous intéresse, sera très prochainement dispo. Voilà. Voilà. Et je ferai certainement aussi une vidéo sur Rock Company, vu que la saison 2 commence aujourd'hui. Donc, j'irai faire un petit tour là-dessus. Allez. Je vous remercie tous. Merci d'être passés. Merci d'être venus. Merci d'avoir accueilli cette émission comme il se doit, je pense. Ça a été un moment de plaisir. Il y a eu des bugs, il y a eu des ratés, mais c'est les aléas du direct. Et c'est ce qu'on c'est ça qui est beau. C'est ça les défauts qui est beau. Et
J'espère qu'on pourra emmener cette émission au loin. On a bossé dessus à fond et on va continuer de bosser dessus à fond, je pense. En tout cas, je l'espère. Et pouvoir aller très loin. Puis on verra jusqu'où ça nous mène. Et comme quoi que il suffit pas grand chose des fois, hein. Juste de travailler. C'est tout. Voilà. Ce qui pourrait être intéressant, c'est peut-être se refaire un petit Gardic Phone aussi avec tout le monde. Ça, ça pourrait être pas mal. On va voir ça. Ça, ça va être une autre émission qui va arriver un peu plus tard aussi, de toute façon. Ok. Et bah, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Bonne soirée tout le monde. Une bonne nuit. Et puis, bah, notre cher Kryzen va nous souhaiter nous dire le mot de la fin. Kryzen. Attends, je crois qu'ils t'ont pas entendu. Là, je pense qu'il va nous sortir un texte de 30 minutes avec le temps de préparation qu'il a eu. Je te mets la pression comme ça, hop. Bah... Le dernier mot de la fin. Adieu. Adieu. T'es sûr ? Non, mais genre cacahuète. Croustiflex. Croustiflex. Allez. N'importe quoi. Croustiflex, vraiment. Quoi, toi, préféré stickers ? Je sais pas. Tenders ? Abonnez-vous. Semez-vous. Envoyez de l'argent. Allez, sérieusement. Dernier mot de la fin et on coupe. Allez, bisous, bisous tout le monde. Ciao. A plus pour un prochain live. À bientôt, merci. N'oubliez pas, rendez-vous tous les mardis soirs à 21h sur cette chaîne. Ciao. Ciao. Zero degrees. I'm out the cage, gotta let out the beast. Revolutionary gotta let out the streets. Locked in a cage, I'ma let out the Wake up, get out the sheets. We came from our man, forget my peace. Go take the west side, take out the east. I'ma put them in a cage, never let out the I heard them chat to the noise, move too quick, can't stop for the talking. I hear them chat with the boys, man so tough, but man's keep rocking. Just too sharp with the prize, white girls better tell me I'm awesome, yeah. Hot like fire on the pine, if you wanna touch my please use caution. Zero degrees. I'm out the cage, gotta let out the beast. Revolutionary gotta let out the streets. Locked in a cage, I'ma let out the Wake up, get out the sheets. We came from our man, forget that peace. Go take the west side, take out the east. I'ma put them in a cage, never let out the I hear them chat to the noise, move too quick, can't stop for the talking. I hear them chat with the boys, man so tough, but man's keep rocking. Just too sharp with the prize, white girls better tell me I'm awesome, yeah. Hot like fire on the pine, if you wanna touch man, please use caution. Costing, 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 costing